on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le. Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre la t-shirt de chez le coiffeur là, avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle, là il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible. Hein. Sébastien Loeb, tiens. Bam, 360 mon gars. Bam, il tue. Oh putain. Salut, salut, salut. On est tué tous. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça sera le point, ça sera... Oh, 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 attends, oh, bon, vous parlez au lieutenant, là. Je peux mettre un coup de crosse, si tu veux. Veuillez m'excuser, mon lieutenant, là, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, je vais la bouche. Alors, je savais pas que ça tue quand tu viens sur la... La pote, tu veux monter? Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wouah, bien joué ça. Oh my fucking god, I'm so excited. Je le vois pas en fait. Oh! Oh désolé. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, par contre, on a du mal à s'y faire. Ok, elle passe pas celle-là, vous avez pas compris. Eh bah allez, on du mal à s'y faire. Allez, ça y meurt! What mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah il y en a plus à un moment. Ah, il y a un moment, il y a plus de balles. Mais... Pas casse ta porte, quoi, on va dire one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main d'or, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là! Les feux de l'enfer! Bibi. Victoire des défenseurs. Attention, ici c'est l'école, la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Hello tout le monde, comment ça sur le campus de la Salty Academy? Petit live matinal de 13h55, comment ça va?
Vous avez bien dormi? Moi pas. Allez, en avant. Script 0-2 espèce et droit au campus. Moi j'ai bien dodo environ 3 heures les amis. Hein. Ah, c'est bon, on est ready. Hein. On est ready hors note, hein, mais plutôt note en fait. Hein. Ça va s'entendre un peu dans le son de ma voix, mais c'est pas grave. On est là, on va terminer le jeu. Hein. Voilà. Ah non, c'est Six. Bon, comment ça va tout le monde? Bien ou quoi? On est plutôt note que ready. Hein. Comment ça va? Je suis claqué aussi. Non, mais en même temps, tu fais partie des rares qui étaient encore là à quelle heure? 9h ce matin? Je crois que je suis allé me coucher à 9h20. 9h30. Fallait que je regarde les vidéos et tout. Hein? Les lunettes, c'est pour cacher les cernes? Non, absolument pas. Merde, je crois que je suis démasqued. Ça va tout le monde ou quoi? C'est un cosplay pour cacher les cernes. C'est bon, les gars. Vous avez fait la même blague tous les deux, là. FireEye, vous n'allez pas commencer. OK? Vous avez réussi à me trigger. Félicitations. 13 minutes de live. Les deux fils de pute, là, m'ont déjà trigger. Les lunettes, c'est pour cacher les cernes. Et ces cosplays, c'est pour cacher les cernes. Eh, franchement, j'aurais été toi, j'aurais mis une cagoule pour cacher ta sale gueule, fils de pute. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu d'amour de temps en temps? Hein? Genre vraiment. Je vais pas me transformer en Jean Portanoff là. Ok? Les lunettes, c'est pour les cernes. Eh, écoutez-moi les petits comiques là. Eh, vous allez bien fermer vos gueules, ok? Bonjour 6-4, je me suis endormi comme une bouse à 5h30 ce matin. Ouais, bah, j'aurais aimé en dire autant. Vous avez fini la mission avec Dany ou pas du tout? Dany. Mais non, ça a bugué. Du coup, il fallait arrêter William Brexley. Là, j'ai pas arrêté de rêver de ce dernier move, quoi. Il fallait qu'on arrête William Brexley, là. Et c'était le dernier mec à arrêter. On le flash, on lui tire dessus. Et le mec, il se retourne. C'est simple. Ok, Ziwoo. Vous avez la ref? Sheiko. Ok, c'est bon? Vous l'avez ou pas, la ref? Parce que voilà, quoi. Il nous met deux têtes. Terminé, le fils de pute. Hein? Les pourcelles, cernes, lunettes. Bonjour, comment ça va, gros chien? T'as le soleil qui illumine ma journée, 6-4. Ouais, franchement, les amis, j'ai envie de voir des messages positifs dans ce chat. J'attends. Voilà. Non, j'attends des messages un peu positifs, quoi. C'est qui, Simple? Mais comment ça, c'est qui, Simple? Putain, la vache. Qui connaît pas Simple, ici, sérieux? T'es beau, tu as une barbe magnifique. Oh ouais, je me suis pas rasé en plus, quoi. Hein? Ça, c'est positif. Même avec des cernes, t'es caté. Tu es magnifique avec tes lunettes anti-cernes. T'en penses quoi des mycoses vaginales? Mais comment ça, j'en pense quoi des mycoses vaginales? Pourquoi ce genre de questions? Pourquoi? Alors je sais que visiblement Twitch a fait une update de ses TOS. Hein. Donc du coup, non mais c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Et on a dépassé les 194 000 abonnés, tiens. Vous avez vu, il y a eu une update des Terms of Service de comment dire, de Twitch. Vous avez vu ou pas? Non? Eh ben, figurez-vous que grâce à l'update qui me concerne, complètement, ok. Je vais maintenant pouvoir... c'est marqué dans les Terms of Service. J'ai l'autorisation de twerker, ok. De me mettre torse nu, ok. Et alors, il n'y avait pas marqué... on ne peut pas faire l'hélicobit. Ce qui est quand même relou. Ce qui est quand même extrêmement relou. Non, parce qu'il y a un contenu qui s'appelle contenu nudity artistique. Donc, c'est l'artiste, la nudité artistique, ok. D'accord, donc vous pouvez montrer des... Il n'y a pas le droit de montrer l'acte sexuel en lui-même, mais tu peux montrer la représentation d'une tub ou d'une touche. Ok?
Voilà, visiblement, c'est ce que j'ai compris. D'accord ? Voilà, donc je veux juste que vous sachiez que cet été, je streamerai à poil, en fait. Je streamerai totalement à poil. Voilà. Hein, franchement, on veut une démo d'un twerk. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Je vais le faire sur le toit d'une voiture pour mon cosplay GTA 6. Ok, du coup, ladies and gentlemen, je passe dans le... J'appuie sur le bouton qui est celui-là. Celui-là, là. Ouais, voilà, celui-là, il est pas mal. Ok, du coup... Putain, pourquoi est-ce qu'il y a marqué le truc... Pourquoi est-ce qu'il y a ça, là ? Dégage, toi. Bah, attendez, je me mets sur R6. Voilà, ça sera plus simple. Ok, autant pour moi. Bah non, mais c'est la fatigue, c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Voilà, comme ça, au moins, le sabaton apparaît avec le bon timer qui est à jour. Du coup, mon rêve se réalise enfin. Tu m'étonnes. Sur YouTube, tu peux, si c'est pour montrer comment on se circoncit. C'est vrai? Non mais qu'est-ce que vous en pensez ça de l'update? Non, 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 arrête s'il te plaît. C'est bon, t'as pas besoin de le faire sur ces jours-là. Ok? C'est quoi ce foutoir? Est-ce que vous avez vu ou pas? Non, sérieusement, il y a eu une update des Terms of Service. Attendez, update des Terms of Service, TOS Twitch Update. Non mais genre vraiment... non, je vais taper Twitch Twerk. Ce sera plus simple, je pense, sur Google. Ah bah voilà. Dab, Dance and Twerk Clips. Voilà, attends. Ah, c'est bon, voilà. I accept. Attends, c'est marqué en anglais. Twitch new policy. Artist should be able to safely draw nudes character. Donc, vous pouvez dessiner... Ok. Twitch is sexual content as part of the change streaming platform. Will now allow some previously prohibited content. Merci Dewey pour les 53 mois. Merci Scrypto pour les 4 mois. Merci Sans Carnage pour les 39 mois. Et Tomio pour les 17 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Long Nugger Struggle with moderating content containing sexual moderation and has faced backlash for its uneven handling. While Twitch notably banned Indie Fox over the streamer claim was a wardrobe malfunction. The company chose to warn not ban top streamer Pokémon for accidentally showing a porn up page. Oh zut. Alors, Twitch also recently banned a female creator who appeared to be streaming while topless. Who appeared. Aïe aïe aïe. The platform, donc top, ok. The platform will now allow deliberately highlighted breasts, buttocks, or pelvic region. If the stream has a content classification label, which Twitch launched in June as a way for creators to warn users if their stream contains sexual theme, gambling, vulgarity, or other mature content. Mais justement, moi, c'est ce que j'ai mis. C'est le truc de 18 ans. The same goes for drone, animated or sculpted fully exposed female, representing bed, along with body writing on female presenting breast and buttocks. Ok, 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 ok. Du coup, pour la première fois, et ça me fait extrêmement plaisir, les amis, pour la première fois sur Twitch, j'ai visiblement... Le droit, oh ça me fait tellement plaisir. Oh c'est un moment que j'avais envie de partager avec vous. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit, si si, ah bah si. J'ai le droit de lui dessiner une grosse bite. Oh putain la vache, des années que j'attendais ce moment. Il est content. J'ai le droit de faire ça. Et ça... Ça, les amis, ça c'est l'évolution, ok? Hein? Merci, Twitch. Merci. Maintenant, on peut voir tes boobs. C'est vrai? C'est vrai ou pas? J'ai le droit ou pas? Je peux montrer mon téton ou pas? J'ai le droit de montrer mon téton? Regardez, c'était extrêmement important que je vous partage ça. J'ai aussi une page OnlyFans, ok? J'ai aussi une page OnlyFans. Je vous montre mon... Bon, j'arrête. C'est la fatigue qui parle. Et la pelvis région.
Mais c'est quoi la pelvis région hein? C'est juste, c'est ce qui est au-dessus de la tub. C'est important les amis, ok, pour ceux qui se réveillent avec nous. Il faut qu'on sache. Du coup, attendez, je vais essayer de... Je vais mettre le truc, la pelvis région. Du coup, j'ai le droit de vous montrer... J'ai le droit de vous montrer quoi? Bien le bonjour, c'est l'entrée jambe, non? Est-ce que je peux vous montrer ma bite ou pas? Non mais c'est hyper important les amis. Merci Twitch, franchement. Franchement Twitch, merci, ça me touche énormément. Puis-je vous montrer ma tub? Ou c'est juste au-dessus? Le pelvis, les amis, c'est hyper important. J'ai pas du tout envie de me faire ban. Ok? Donc, c'est quoi la définition exacte du pelvis? Où s'arrête et où commence le pelvis? Juste au-dessus, c'est de la science. Zone basse du corps. Zone basse du corps, le pelvis? D'accord. Attends, mais la zone basse du corps, genre là, c'est la zone basse du corps? Franchement, j'adorerais ça, moi. Pouvoir vous montrer mon zboob, ça serait un moment que je pourrais partager avec vous. Vous qui me demandez à chaque fois des éléments sur ma vie, mon truc, mon machin. Vous qui voulez payer des subatons, bande de fils de pute, pour que je crève en live, bande d'enculés de vos races, hein. Je vais vous montrer mon zboob. J'en ai plus rien à foutre, ok? Je me réveille, il y a un streamer qui veut montrer son zboob. Putain, la vache. Je vais le laisser, lui, là. Je vais le laisser. Hein? Qui se réveille à 14h? Ben ceux qui ont fait du Ready or Not jusqu'à 9h du matin, par exemple, tu vois? Hein? Tu peux montrer les clips de Pelvis Presley. de Pelvis Restley. C'est nul. Bannez-le, ce fils de pute, là. Ok. Ça fait un beau fond d'écran. Je vais le laisser là. Ok. Attendez, donc du coup... Est-ce qu'on peut se balader sur Twitch? Y a-t-il des trucs maintenant, du coup, qui ont changé? Y a forcément des gens qui commencent à utiliser ça. On va aller voir, du coup. Twitch TV slash... Ok, attendez, bougez pas. On va aller voir. Attendez, je vais regarder. Twitch, c'est là. Ah. Attendez, parcourir. Parcourir. Ok, y a un truc dans parcourir ou pas? Bougez pas. Là. Ah non, ça c'est juste League of Legends. C'est pas pareil. C'est où du coup? Minecraft, ouais, ça va être un peu pixelisé. Dans Just Chatting, y a pas quelqu'un? Ah! Dès le début, première! Adult Only. Pourquoi Adult Only? Qu'est-ce qui se passe? Elle a pas l'air de... Ah! Ah bah voilà! Je l'avais pas vu en fait! J'étais concentré sur la dame à gauche et je n'avais pas vu 80% du just chatting. Ouais, mais enfin, just chatting quand même. Oui, d'accord. Oui, ok. Ing, je sais pas. Chat. Ah, je sais pas. T'as la vache. Ah, il y a un monsieur là. Il est perdu, lui. Lui, il est perdu dans un océan. Il le sait pas du tout qu'il y a une dame qui est en haut à gauche, là. Il le sait pas, le pauvre, nota bene. Il en a aucune idée de ce qui se passe tout autour de lui. Hein? Il en a pas la moindre fucking idée de ce qui se passe tout autour de lui. Il est entouré. Quelqu'un va aller voir ce mec à un moment. Quelqu'un va aller voir ce mec. Sa mère va aller le voir. Va dire, tiens, j'aimerais bien parcourir quand même pour aller voir où travaille mon fils quand même. Tu vois? Sa mère va aller le voir. Ah ouais? Et il va tomber nez à nez avec ça. Son nom va être entouré de ça, tu vois. Et franchement, ça met un doute. Ça met un doute quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, sur ton enfant, en fait. Hein, voilà. On pourra dire ce qu'on était là quand Twitch est vraiment parti en vrille. La bœuf à côté de 6-4 en lélé, elle lit comme ça son chat. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la dame. Le contenu n'est un thème sexuel. Ok, mais moi je suis 18 ans. J'ai le droit ou pas, 18 ans? J'ai le droit de cliquer ou pas? Mon chat, vous devez tous avoir 18 ans, ok? Vous devez tous avoir 18 ans. Bah là, on était 306, on est passé à 286. Je pense que tous les gens, du coup, sont partis. Ok, je regarde. Oh là, putain, la vache. Eh, franchement, c'est... Eh, c'est ça. Was machst du da, ich chill?
moi, je veux pas dire, les gars, ok? Mais souvent, je vais sur Twitter, je veux pas dire, mais ça, c'est clairement une femme qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique qui la pousse... Ah, si, si, bah, si, je le dis, ok? Je le dis, ok? Je dis les termes, d'accord? Ça, c'est clairement, ça se voit, c'est le pattern. Elle est sous l'emprise d'un pervers narcissique qui la pousse à faire quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Je ne me l'explique pas autrement. Je ne me l'explique pas, en fait. Il n'y a pas d'autre explication possible. Forcément. Forcément. Ok? Putain, la vache. What the fuck? Et attendez, attendez. Donc, du coup, maintenant, il y a des arts. C'est où, du coup? Je sens que la catégorie artwork, à mon avis, elle a pris un petit peu d'audience. Alors, on va aller voir ça. Ah, poulet hot tub. Ah oui, parce que du coup, dans Just Chatting, là... Ok, parce qu'il n'y avait pas la piscine. Ah, bah oui, pas con. je suis con, moi. Bah oui, parce que du coup, de facto, moi, quand on me fait chier parce que je vais sur... parce que j'ai oublié de changer ma catégorie, hein, parce que je reste sur Rainbow Six, parce qu'autrement, si je mets forcément... Si je mets Door Kickers, bah personne va me trouver dans le Twitch game, tu vois. Alors, personne va les voir en lui disant « Excuse-moi, mais bon... » Il y a quand même visiblement... Madame, t'es quand même en bikini. Et il y a quand même une piscine derrière toi. Tu veux pas aller te mettre dans la bonne catégorie? Non, personne va lui dire à elle. Hein? Personne va lui dire. Par contre, il y a des poules. Ok. Par contre, ouais. Alors, attendez. Donc, je vais aller voir le art. Est-ce qu'il a changé? I'm only sleeping. Ok. Bon, ça, c'est des gens qui... C'est des gens... C'est ce que j'aurais dû faire cette nuit. Il est où, le art? Il y a pas un truc art? Putain, je suis débile ou quoi? Je vois rien. Special Events, alors on sait jamais, je vais pas cliquer là-dessus. Hein? Once Human, Warzone, c'est où Arts? Vous le voyez ou pas? Merde. Game, Food, Nanin, Scum, ASMR. C'est quoi ASMR? Ah bah c'est pareil! Ah bah c'est pareil en fait! Non mais je... Just Chatting, c'est des fions. Pool and Hot Tub, c'est des fions. ASMR, c'est plutôt le haut du corps, ok? Non, mais il faut que j'arrive à retenir, ok? Moi, ce que je dis, ce qu'on fait au final, on arrête, en fait, de l'hypocrisie, ok? Dans Pool and Hot Tub, on met fion, en fait, à la place de la catégorie. ASMR, on fait, comment dire, boobs, parce que clairement, les gens viennent pas voir une meuf qui est en train de lécher un micro. Je n'y crois fucking pas, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait en finale? On vient reproduire, et c'est là que c'est ouf, l'historique de toutes les personnes qui vont sur des sites porno. Et voilà, c'est incroyable. Bienvenue, hein. Bienvenue. Et voilà, super, en fait. Putain, la vache. Je suis... Ah, tiens, la catégorie art. Ah, parce qu'elle est pas... Attends, j'ai pas mis recommandé. Moi, c'était marqué recommandé pour vous. Je suis bête, moi. Spectateur décroissant. Voilà, c'est comme ça que c'est Twitch. Ah, le art a beaucoup pris, là. Le art a beaucoup pris. Ça doit être à cause de l'intelligence artificielle. Ah, il y en a pas tant que ça. Ça va encore. Ils ont pas vu le filon. Ah, ils ont pas vu le filon. Ça va. Ça va, c'est vraiment... Oui, enfin, ça va. Ok, ça va. Oula, oui. Oula, on commence à descendre. Twitch change policy, baby. Oui, d'accord, ok. Ok. Ok, il y a quand même... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oula, à droite. Je ne sais pas. Mais c'est autorisé. C'est un dessin. Oula, le monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le monsieur, là? Oula. Allez. Il a fait la même blague que moi, mais il est allé quand même beaucoup plus dans les détails. Oui. Oui. Tu vois, moi je me suis... franchement, à côté, tu vois, je suis resté quand même relativement... Ça tombe pile poil. Attention, parce que en faisant ça, je simule la possibilité que ce soit... Et ça, c'est interdit. Ok? On a le droit, on n'a pas le droit de... Hein? On n'a pas le droit de simuler l'acte. D'accord? Mais ça, il y a le droit maintenant. Et franchement, c'est tout Twitch. C'est toute la communauté de Twitch qui remercie Twitch, franchement. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oula, qu'est-ce qu'elle fait, la dame à droite, là? Oh putain, la vache.
Eux, ils sont perdus. C'est comme le Nota Bene tout à l'heure, là. Ok. Putain, il y a Arnold Schwarzenegger. On va descendre, du coup. Ta-ta-ta-ta-ta. Oula. Ah ouais, là, ça commence. Là, ça commence. Voilà. Donc, du coup, au final, si on arrêtait l'hypocrisie, hein, si on arrêtait... Tiens, il a utilisé... C'est quoi ? H-E-N-T-A-I. Ah, je ne sais pas. Mais si on arrêtait l'hypocrisie, au final, pendant 3 minutes, qu'on se parlait entre nous, au final, et qu'on est en train de se rendre compte exactement de ce que Twitch est en train de devenir, c'est-à-dire un site avec du porno, hein, tout simplement, du soft porn, mais du porno, au final, d'accord ? Parce que plus ça va aller, plus on va tolérer des trucs, ok ? Et au final, avec les mêmes mots-clés que la plupart des gens qui vont sur des sites pornographiques, du coup, tapent, d'accord ? D'un côté, t'as ASMR, c'est boobs. De l'autre côté, t'as pools and nanin, c'est des culs. Et là, ici, t'as du hentai. Ça vous dit rien ? Non ? Bon, bah alors. Putain, je te jure. Merci Twitch. Franchement. God damn it. Moi, je vais continuer à saigner des Red Dead Redemption. Only Fap, c'est terrifiant. Best début stream ever. Je suis plié. Après, tu vois, le truc, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, font ce qu'elles veulent, etc. Machin, bien sûr, moi, je m'en bats les couilles et tout. Mais il y a un moment, est-ce qu'on peut pas mettre une limite, hein, à la bêtise sur Twitch et se dire, à la limite, ok, si Amazon, parce que c'est Twitch derrière, a envie de faire du porno parce que ça rapporte énormément de thunes, ok, pourquoi est-ce qu'ils le font pas avec une... Il y a déjà d'autres sites, au final, qui sont relativement... pour ça, non ? Hein ? Voilà quoi. Putain, je pourrais pas lancer un live où au final j'ai 5000 viewers et du coup il y a que 16 personnes qui parlent dans le chat et je me dis, attends, mais s'ils parlent pas, où ont-ils leurs mains ? Ah, je pourrais pas ça. Ouais, c'est pas possible. Hein ? Voilà. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Du coup, allez, c'est parti. Merci Twitch. Merci Doui pour les 53 mois de frais de scolarité aussi, t'es un monstre. Oh putain, la vache, j'ai complètement oublié. Don't save. Je save pour plus tard. Ok, en avant. Je lance Ready or Not. Bon, ça va sinon vous ? Ah, ça m'a fait marrer, j'ai regardé ça en me levant ce matin. Ça m'a fait quand même doucement rigoler. Tu veux vraiment savoir si ça va ? Et toi, où est-elle, Étienne ? Les mains, ça va les gars. Franchement, moi je suis pas très pudique comme garçon, vous voyez. J'ai pas vraiment de, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas vraiment de pudeur en fait. Donc, je me suis encore jamais caressé le zboob sur Twitch. Tu vois ? Enfin, après, chacun fait son truc. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Moi, je m'en bats les couilles, ok ? Je suis pas dans le jugement. Et moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, tu vois ? Il y a d'autres sites quand même qui sont quand même plus experts dans le domaine. Et je préfère aller sur ce genre de site là, d'accord ? Hein ? J'en consomme, ça m'arrive, d'accord ? Mais pas sur Twitch. Les femmes sont les reines de ce monde parce que les hommes sont trop barjots. Je sais pas si c'est du second degré ou pas. Je n'arrive pas à savoir si c'est du second degré ou pas. Voilà. Mais par rapport à ce qu'on a vu... Ouais, non, les femmes sont les reines de ce monde, oui. En attendant, là, au Moyen-Âge, les nanas qu'on a vues, je suis pas sûr qu'elles avaient une couronne. Hein. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Ah, ouais, je sais pas. Tu t'es couché à quelle heure et levé à quelle heure ? Couché à 9h, levé à midi. 10, 11, 12. Dormi 3h30, exactement. Six qui se givre le tuba rao, je hurle. Qui se givre le tuba rao. Elle est très bonne, cette expression. Ok, allez, ready or not. C'est parti. DirectX 12, bien sûr. Always use this option. Play. Les lunettes 360 degrés de sergent un peu flippant et très strict. Magnifique. Ouais, ça mérite un sub. Non, mais c'est les lunettes d'airsoft qui protègent. C'est les lunettes balistiques, au final, que j'utilisais avant quand j'avais tiré. Parce que, du coup, t'as pas de... Y'a rien qui peut rentrer quoi. Si t'as des lunettes, tu vas pas mettre des Wayfarer pour aller tirer. Et là t'as l'étui tout chaud qui vient de monter dans l'œil là. Ah. Solo sur Ron. Non mais solo sur Ron, ça va pas ou quoi les amis? Non mais ça va pas la tête.
Jamais de la vie. Je vais rejoindre des gens. En avant. Ça, si j'appuie là, il y a qui? Il y a du monde par là, là? Bonsoir. Allô, allô. Comment ça, bonsoir? Il est 14h21, fils de pute. Ouais, c'est bon, c'est comme si c'était la nuit, hein. Merci Royal Forces pour les 16 mois, t'es un monstre, poulet, vraiment. Royal Forces passé droit au campus. Ah oui, j'avais oublié. Merci pour les 16 mois. Bon, ça va, vous deux? Il y a qui, là? Il y a... Ça va, ouais. Il y a Alro, du coup. Ah ouais, c'est marqué en bas à droite, du coup. Et Tisma. Ouais, moi, encore plus malade que hier, mais t'inquiète. Ça va le faire. Ok. Et du coup... Super. Alro, t'as déjà joué au jeu ou pas? Ben oui, on avait joué ensemble déjà, t'en rappelles pas? Ben non, tu te rappelles pas, c'est normal, tu t'en bats les couilles, toi, hein. Qu'est-ce que tu te rappelles de quoi, toi? Je me rappelle de ton accent qui est assez désagréable. Voilà, ouais, alors voilà, ça, je me rappelle bien. Ouais, ça mérite bien les... Ah oui, on avait déjà joué ensemble, oui. Merci Redouard pour les 15 mois. Un monstre, poulet, vraiment. Non, pour être très premier degré, ça me dérange de fou que je dois me tuer la santé au taf tous les matins à 5h quand je vois des gens faire beaucoup plus que moi en faisant ça, c'est vraiment frustrant, MDR. Ouais, d'accord, ok. Mais les amis... il a pas fallu attendre, en l'occurrence là, premier degré, il a pas fallu attendre Twitch pour avoir une société pyramidale dans laquelle forcément quand tu regardes en haut, eh bien t'auras forcément des personnes dont tu pourras être assez relativement jaloux quand tu regardes au-dessus de toi dans la pyramide. Mais n'oublie jamais qu'à partir du moment où t'es en France, quand bien même tu serais le dernier des chômeurs, ok, t'es déjà quand même mieux loti que 50% des gens de la planète. Alors je sais que ça t'aide pas, ça aide pas forcément à relativiser, mais quand même un peu, hein, de se dire que il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont en dessous de nous dans la pyramide que au-dessus de nous dans la pyramide, hein. Quand bien même, à partir du moment où t'es en France, déjà, c'est déjà pas mal. Mais je sais, c'est pas comme ça qu'on avance. En règle générale, on regarde plutôt vers le haut que vers le bas. Mais n'oublie pas, n'oublie jamais cette phrase incroyable. Les Grecs avaient trouvé depuis des milliers d'années la réussite du bonheur. Et la réussite du bonheur, elle est simple. Et elle est dans la modestie de se dire qu'il faut avoir des attentes à la hauteur de ce qu'on a déjà. Allez, c'est bon, j'ai fait mon stream. Bonne journée. Allez, merci d'avoir regardé. Nouvelle partie. Souhaitez-vous un tutoriel? Non, ça ira franchement, multijoueur. Ça fait réfléchir. Oui les amis, parce que n'oubliez pas, chaque plafond au-dessus de vous est un nouveau plancher. Il n'y a pas de position tout en haut. C'est quoi la position tout en haut? Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois tu regardes vers le haut. À chaque fois tu regardes vers le haut. C'est quoi la position tout en haut? Président de la fucking République? Ok. Je vais aller faire un tour sur Just Chatting. Ah bah tu seras à retour dans 2 minutes. Elon Musk. Ouais bah mec, personne n'a envie d'être un Elon Musk, je pense. En vrai, les gens veulent avoir son compte en banque, mais ils veulent pas être un Elon Musk à mon avis. Ah. Quand Six Day in Fallujah sortira en version terminale. Pour avoir sa gueule, non merci. C'est vrai qu'ils... Pourquoi je peux plus jouer là? Ah oui, ok. Tu peux te faire nade à tout moment. Merci Redouard pour les 15 mois de frais de scolarité. Ready or Not est dispo console? Je sais pas. C'est une bonne question ça. Non. Ah bon? Non, il est pas dispo. Il est pas dispo. Là tu vas vraiment enchaîner que 13 heures. Non, je le fais, j'ai pas envie. Les gars, je suis vieux, d'accord? Je suis vieux, d'accord? Il est temps de l'avouer. Hein, il y a un moment, je voulais faire le cake et à 9h30 du matin. En plus parce que, les gars, moi je vous aime bien, mais on va discuter. Les fils de pute à chaque fois là. Les gros enculés là, qui mettent des 200-300 euros, ok? Comme Nano, hier, juste pour me faire chier au final. Ce sont les mêmes connards qui seront pas du tout là à 4h du matin quand on sera 17 dans le chat, hein, et que je serai en train de faire du Ready or Not, les yeux écarquillés, en gueulant sur tout le monde,
et en récupérant tous les bas-fonds de Twitch, ok, et des gens qui arrivent pour la première fois sur le live et qui me voient gueuler, en fait, sur tout le monde, en disant « Vas-y, là !» 39 minutes hier, on a eu un débriefing. On a fait un débriefing de 39 minutes à un moment, pour savoir comment passer une porte. Une porte, tu vois. Enfin, il y a un moment, non, franchement, le moi version fatiguée, vous voulez pas le connaître. Hein. Donc non, c'est un sub-bâton, ready or not. Tant que le timer est pas fini, il y aura toujours du ready or not. Merci Raptor, grosse queue. What the fuck, pourquoi j'ai lu ça, moi? Raptor, grosse queue, passé droit au campus. Hey, salut 6, signe de la main. Ah ouais, signe de la main, ouais. Merci pour les deux mois. Ah, j'étais là, pas là. Mais bon, après, le point positif, tu pourras te faire plein de cadeaux. Ah bah génial. Et ma santé, fils de pute de Nano. Parce qu'après, derrière, il va y avoir le Nano. Tu te rends pas compte, sérieux. Après, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte. Hein. Il y a la police du sub-bâton, ok. La police du sub-bâton, ok. Avec Sergent Mary qui va passer. Il va être là. Il va être là. Il est dans son moi aigri, en plus. Ouais, franchement, de dire à ses viewers que c'est un sub-bâton, alors qu'au final, t'as coupé ton live, selon les conditions et les conventions de Megève, le sub-bâton doit être... C'est marqué dans la définition, ok. Le sub-bâton doit être continué de façon continuelle et... ça ne peut pas être une VOD, tu dois rester sur le live et tu dois... jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu es faible, Six. Les gars, je suis même fatigué, à 9h du matin, je vous nique en 1v1 sur R6. Donc fermez vos gueules en fait, d'accord? Sur tous les jeux en fait, d'accord? Ok, donc arrêtez. Vous deux là. Putain. Ok, Officer Peterson. Bon, du coup, t'es en train de te stuffer, Alro? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Quand tu veux, mon grand, j'ai level up. T'as level up, mec. Mais il y a un truc qui est sûr et certain, les gars. Quand on est tout en bas et qu'on a un niveau qui sent la croquette, on ne peut aller que tout en haut, tu vois. Quand on habite au niveau de la mer, forcément, dès qu'on va aller sur la terre, on a déjà monté, en fait. Tu vois, le niveau 0, hop là. Putain, j'ai fait, un D+ de 10 mètres. Incroyable. Gars, moi, c'est l'Everest, là, dont on est en train de parler. Alors là, stop. Putain, il a mis un emoji stop pour accentuer le stop et tout, Nano. Je sais que tu es fatigué, mais en soi, pas aigri. Même pas, tu me bats en 1v1. Vas-y, putain, nique ta mère. Écoute, ce qu'on a qu'à faire, Nano. Nano, ce qu'on fait. Nano, promis, on fait un 1v1. Promis, déjà un tout seul, tu vas chercher un truc comme ça, ok. T'en ramènes un, ramène-en deux, ok, si tu veux, ok. Voilà. Et après, dès que t'as ça, après on fait un V1 si tu veux. Oh, on fait un V2 même si tu veux. Ok. Essayons de nous mettre sur le même pied d'égalité, tu vois. Ah non, mais franchement, ok. Mais ça compte pas, c'était en 1960. Putain, je vais vous enculer. Arrêtez de reprendre les mêmes blagues que tous les gens qui ont jamais rien fait sur Rainbow Six, bande de fils de pute, ok. Si tu peux, tu te prends 10 heures de plus. Pour réussir un sub-bâton, la réussite... Ok, bon, on peut faire du Ready or Not ou quoi? Ou ça va être un concours de beat dans le chat? C'était sur Rainbow Six Vegas, ta PL. Il y a 2-3 mecs dans le chat, les gars. Je vais vous choper. Et je vais choper vos adresses. I'm gonna find you. And I'm gonna kill you. Ok? Je commence. 7 cm. Putain, la vache. Putain, c'est gros, 7 cm. La poutre. Ok. En avant. Du coup. Tisma. Ouais, ok, d'accord. Le shield. T'as équipé quoi, Alro? Non, les gars, on va pas partir à double shield alors qu'on est 3. Enfin, réfléchissez déjà. Attends, ah putain, déjà, voilà, je suis parti avec les... Oh, avec les quoi, hein? Avec les cactus les moins piquants du désert. Ouais, bah oui, forcément.
Non mais Tis, ok Tisma, ouais, prends pas le shield. Non. Alors on va le laisser, sur le Switch. T'as équipé quoi le rôle là? Shield, d'accord. T'as quoi d'autre? Shield, j'ai 6 fumigènes et 3 cales. 3 cales, d'accord. Et ton arme principale, t'en as combien dedans des munes? 4 chargeurs. Ok, 4 chargeurs, sachant que tu peux pas utiliser et ton arme principale et ton shield. Bah allez, bah vas-y, bah je vide les chargeurs alors. Et pour les remplacer par... Combien un taser? Bah par soit fumigène, soit cale, comme tu veux, dis-moi. Soit fumigène. En fait, moi aussi, je vais aller me remettre des fumigènes, poulet. Vas-y, allez. C'est le seul truc qui fait que les mecs s'arrêtent, quoi. Vas-y, bah là j'ai 10 fumigènes, 3 cales. C'est où l'endroit le plus près, en fait? J'aime bien speedrun les trucs, moi. C'est où l'endroit le plus près pour utiliser... À côté du stand de tir, non? Non, je crois pas. Je pense que c'est là. C'est soit unit, là. Là où il y a... Non, c'est là. Non, c'est là. C'est là le plus près. Là où je suis. Regarde, va appuyer sur T en haut, là. What? Faites T. Et Là, à côté là. Des vestiaires, ouais, là. C'est là. Il y a les vestiaires à côté, à droite. Ouais, c'est le locker. Ouais. Du coup, t'es pas obligé de redescendre jusqu'en bas. Du coup, ouais. Bah, en fait, ça me... Attends, mais taser, j'en avais qu'un, en fait. Hein. Putain, j'avais 12... Je pars avec 12 gaz lacrymo, quoi. Ah, mais j'ai le M320 derrière. Ouais, t'as le M320 flash, toi. Mais le M320 flash, du coup, en n'en ayant qu'un seul, il m'en donne 4. Ouais, mais tu peux pas l'augmenter, les slots. Ah, c'est 4 pour tout le monde. Ouais, mais c'est quand même pas mal, 4 au final. En vrai, ouais. C'est quand même vraiment pas mal. Par rapport à un bélier, au final, qui sert pas à grand-chose. Genre, vraiment... Non, c'est plus OP qu'un bélier. Hein. Bon, pistolet miroir, il en faut un. Isma, prends-le. Ouais, j'ai. La Spycam, là. Alors, le jeu. Merci, Eikos, d'avoir la ref. Pelé était encore joueur pro pendant ta PL. Mais vous allez vous niquer vos races un peu, hein, ou comment ça se passe? Non mais les gars, alors, ça va ou quoi? T'as pris un taser aux honneurs ou pas? Non mais les gars, vous écoutez, franchement, j'ai 100 ans, la PL c'était il y a 25, j'ai gagné un World Cup sur Rainbow Six, c'était il y a 25 ans. À vous écouter, franchement, j'ai l'impression que, quand j'allais à l'école, je me battais pas avec des Vélociraptors pour qu'ils me volent mon 4 heures, tu vois? Mais alors, faudrait que tu prennes un taser au cas où. Ah bon? Et t'enlèves ton chargeur de Zonder si t'as un chargeur. C'est bon, ça y est, là, j'ai plus de chargeur là. Nickel. Et je quitte une fumée, du coup je prends un taser. Voilà. Nickel. Après, sur ta secondaire, ça sert vraiment à rien que t'aies les chargeurs du coup. Non, hein. Ouais. Le SP45, on l'utilise pas. J'ai rien comme. J'ai aucun chargeur là. Aucun du tout? Même pas sur ta principale? Ben non. Bah, prends-moi un chargeur sur ta principale. Un chargeur sur ta principale, ouais. Ah, d'accord. Un chargeur sur la principale, de la smoke et tout, et voilà quoi. Des jaloux 6. Ah merci Treki, putain enfin des gens généreux dans ce chat et gentils quoi. Alors le jeu, il est incroyable le jeu mon gars. Il est incroyable, il est ce que si Rainbow Six n'a jamais été. Enfin, le Siege, Rainbow Six Siege. Est-ce qu'il paraît que t'avais les mains froides ce jour-là? Vas-y, l'autre, déjà, il a pas une voyelle dans son pseudo. Et il a 667, quoi. Ah, j'arrête de répondre aux gens qui ont 667, quoi. Pff. 667, c'est quand même le cri de ralliement des gens qui n'ont pas le brevet des collèges, quand même. Hein? Non, mais franchement, voilà. 667, ça veut dire quoi, 667? C'est un code pour dire RSA? Non, juste, ça va être, c'est votre truc dans la vie? RSA. Bob l'éponge, tais-toi. Pourquoi? Hey, Bob l'éponge, rename-toi une bonne fois pour toutes sur le pour les gens ont besoin de savoir que les gars, c'est une célébrité Bob l'éponge. Mais j'ai pas hâte de donner son pseudo. Moi je l'ai trigger et depuis il reste, OK? Mais c'est une célébrité sur Twitter Bob l'éponge. C'est pour ça qu'il est VIP et tout. MDR, le pseudo est déjà pris sur Twitch. Les gars, c'est pour ça. Là, vous savez pas, mais c'est très très drôle de voir un mec avec marqué Nasty667 dans son pseudo et Bob l'éponge 42 en dessous. Et un jour, je lui ai dit, mec, je sais que c'est toi sur Twitter parce que t'as liké un de mes trucs et tout. Et il a fait, comment t'as fait le rapprochement?
Et voilà. Mais vous le savez pas, ça, tu vois. Y'a que moi qui le sais. J'ai jamais lâché le truc. C'est un sportif, Elon Musk. Mais non, je t'ai parlé de 667, fils de pute, t'as cru quoi? C'est un rapport avec forcément, déjà, le rap français, en fait. Hein? Il a grave bien enquêté. Non, non, c'est juste que j'ai un game sense de ouf et je vois tout. Voilà. Du coup. Ok. On est bon ou quoi, là? On est R. Attendez, et moi, je voulais regarder quoi? Je voulais regarder les tasers. On est bon. Ok, très bien. En avant. C'est Mary. Question un mec pour connu. Être sûr, là. Ouais, ok. On peut pas avoir le taser à main avec le shield. Le taser à? On peut pas avoir le taser à main en même temps que le shield. À quoi? Non, je peux pas. Le taser à quoi? Le taser en main. En main. En main. T'es bouché ou quoi? En main. En main. Ah, le taser à main. Non, en main. On peut pas l'avoir à la main, quoi. Ça. À la main. Ouah. Se voit que tu as pas beaucoup dormi, hein. Non mais il va falloir qu'on mette d'accord, on va falloir qu'on se mette d'accord. Ça me rappelle quand j'ai fait un lycée militaire. Ma prof de français détestait ses fils de pute du sud, moi je l'adorais, tu vois. Elle disait, ah non, c'est pas rose, c'est rose. Ok. Ouais. Donc Alro, à la main, allez, apprends à parler français avec nous. Ouais, allez, vas-y. Allez Alro, allez, essaye, fais un effort. Allez, ouais, là. La. Main. Main. Ben bon. Voilà. Ouais, ben voilà, c'est pas compliqué, bordel, hein. Je suis un mec de Nantes, avec lunettes, comme ça, y est, on dirait hein. Gilbert Montagnier. Pardon, désolé. Putain, je vais me faire ban. Là, j'ai compris le taser à maigre. À maigre, moi aussi. Moi aussi. Ça va être compliqué, il va nous dire des trucs. Après, on a les viewers qu'on mérite, hein. Enfin, tu le sais. Bah oui, j'ai des viewers français. Ouais, je les mérite bien, hein, et ils comprennent le français, du coup. Ouais. Putain, vache. C'est combien un coaching R6 j'aurais bien à me rendre pour rentrer dans la salle de l'académie? C'est très cher, Mister TV. Non, les prix ont baissé pour les formations coach. Je suis pas pris, je suis pris la semaine prochaine. Attends, ouais, c'est mardi prochain, j'ai un coach. En avant. Bon, putain, à 3 ça va être dur. Donc ça c'est fait S, ça c'est fait S, ça c'est fait S, ça c'est... Et... pas fait, c'est celui-là, S. Et donc l'autre, si on tombe dessus là... attendez, est-ce que ça update le truc là ou pas? Est-ce que ça m'a update? Alro. Vas-y, je vais aller mettre un coup dessus. Bah non, j'étais le dernier à le machiner. N'oubliez pas, pour update le truc, faut que vous passiez dans le locker. Vous rentrez et sortez du locker pour update votre téléphone tablette. Portable. Ouais, là, c'est un smartphone, hein. Je suis bon, je vais pas vérifier. C'est quand les disponibilités? Point d'exclamation coach, tout est dessus, Mister TV. Ok, et Brixley Talent, là? Lui, c'est un ancien mec des forces spéciales, machin truc bidule. Le gars, c'est... Hein, le mec, il met des one tap. D'accord, donc lui, quand on le gère pas comme tous les autres, ok. Ma fille. Toi. Ok, non, Tisma, t'es là. Ok, d'accord. Bon, en avant. Allez, let's go. Je peux pas appuyer. Si, ok, si. Y. En avant. Y. On le trouve comment, Bob l'éponge? Ah bah, c'est à lui de. Moi, j'ai lancé le truc là. Nano, il est en train de draguer, quoi. Je suis pas sûr que Carla soit intéressée. Je suis pas sûr. Allez, en avant, on tape la porte. This is talk. Suspects have a foothold in this. N'oubliez pas la spy en haut. Alro. Non, Tisma, tu vas où là? Ok, Tisma. Ouais, ok. Let's go, Alro, vas-y, commence à ouvrir. Prends la sûreté arrière, Tisma. J'ai. Je check d'abord un peu. À droite, c'est non, clair. Non, on peut pas rester là, poulet. Vas-y, go. Vas-y, je push. Let's go. Reste debout, Alro, quand on avance comme ça.
Tape la porte en face. Wedge à l'arrière, Tisma. En avant, reste à droite de la porte, Alro. Au cas où il push, tu seras derrière, fais gaffe. J'aime pas le rhum, exactement, c'est pour ça. Okay. T'as Wedge derrière? Ouais, c'est Wedge. Ok, bah dis-le. Ça commence là, ils vont commencer à m'irriter là. Je vais leur péter la gueule. Ok, en avant, tu check en dessous si tu veux, Tisma? Je check. Attention, j'entendais pas derrière. Ouais, mais je suis là, là, prêt. Oh. Pièce clear, pièce clear. C'est un garde-manger, le garde-manger est clear, un renforcement sur la droite qui est clear. Ok, d'accord, tu peux ouvrir du coup, Tisma, vas-y. Je pique. 3, 2, 1, top, recule derrière. Alro, tu push, Tisma, vas-y, push avec lui. Bon. Et main courante à droite, droite, partez à droite, j'ai en face. À droite, c'est clear, porte fermée. Pour bloquer? Ouais. Non. Non. Du coup, vous continuez tous les deux. Ouais, continuez tous les deux, je prends la porte là. Non, pas la peine de la wedge. Je suis pas sûr que tu puisses spy une porte. Si, je peux spy. Ok. Donc, une grande. Un stockage de market. Renforcement sur la gauche au niveau des 10 heures. Tu veux pas checker sur la map, Six, voir ce qu'on va avoir derrière? Bah si, c'est plutôt à toi de la regarder. Nous on connaît bien les lieux. Vas-y, je regarde. Je crois pas qu'elle soit référencée la map. Laisse-moi au pire. Dessus. C'est une ouverture 5 mètres en face de toi, du coup c'est le mur. Juste à côté à droite, c'est le mur en face de toi. Et ça, c'est un grand couloir, c'est une grande pièce en long qui part sur la gauche. Ok, ouais, il y a une seule ouverture à l'intérieur de cette pièce là. Ce sera main courante à gauche, si vous suivez il y aurait une porte et je vous suis derrière de toute façon, d'accord? Donc je la prendrai. Vous continuez main courante gauche pour aller taper jusqu'à la deuxième porte, deuxième ouverture tout au fond. 3, 2, 1, je pique. Ah, lock pick, excuse-moi. Je déverrouille. Yo Alien, yo Kilo, comment ça va tout le monde? Prêt, 3, 2, 1, je pique, je me repositionne. Main courante à gauche, go. À droite c'est clear. Gauche clear, une porte fermée. Je continue. Ok, je prends la porte. Une autre porte fermée. Clear. Ok, let's go. Tu restes au niveau de la porte là. Viens avec moi, Otisma, vite. Allez, qu'on soit efficace là. Je spy. Non, négatif, on s'en fout. Vas-y, ouvre-la en dry et tu prends la ligne en face de toi. Tu piques, vas-y, go, pique. 3, 2, 1. Ok. Let's go, tu bouges derrière. C'est clear des toilettes. En avant, genre back derrière. On arrive sur une cour extérieure. Ok, tu peux check. Là, va falloir travailler dry, ça va être à l'extérieur. Donc bon, va falloir faire tomber. On va rester au niveau des portes, hein, d'accord? On va ouvrir les portes et on va essayer de faire jusqu'à ce que ça tire plus, quoi. On va essayer de balancer de la smoke, etc. Si ça donne sur l'excité, si on rencontre des packs, faudra balancer de la smoke. Par-dessus l'épaule d'Alro pour le coup, ok? Potentiel renforcement à droite, mais assez léger renforcement, et après ça repart sur la gauche. Ok, là on dry du coup on ouvre, laisse Alro à la limite, ouais, pique le juste pour Alro. Ouvre la porte de gauche, ouais, ouvre la porte de gauche s'il te plaît. Ok. 3, 2, 1, j'open. Tranquille, hein, droite, tranquille, on sort pas, Alro, d'accord? Reste au niveau de la porte, clear, reste au niveau de la porte. À gauche, c'est ça. Y'a un mec, contact en face de vous. Ouais, baisse-toi, Alro. À gauche. Il s'est bien perdu. Je l'ai. À droite, contact. Ouais, deux heures, vous faites tirer de 2 heures. Ok, je vais essayer de smoker à 2 heures. Il y a encore. Je veux smoke rebond. Vas-y. Smoke rebond pour 2 heures. J'en ai envoyé une aussi. La smoke à droite, tu l'as pas touché, je crois. Vous allez. Ok, tranquille, Alro, tu peux reprendre de l'info, voir si ça tire ou pas. Si à ça droite, les a calmés un peu. À droite, le mec ne tire plus. Le mec de gauche qui s'est mis en joue, je le garde en joue. Ouais. Hein. Enfin, qui s'est mis à terre, je le garde en joue. Attends, je vais balancer une smoke longue à droite. Attends, décale-toi, je peux le faire. Non, c'est pas à toi de le faire, Alro. C'est bon. Reprends shield. Ok, j'ai un contact du coup à midi, à face gauche, midi non. Pour vous, à peu près 30 mètres, je sais pas si vous pouvez le voir du coup. Là où va partir ma smoke, grosso modo. Ok, ouais, ok. Tisma, je vais avancer à droite, je bloque le mec, je prends le civil, ok. Ok, ça arrive sur moi au contact.
Attention à gauche, 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 attention à gauche, hein. Contact à gauche, contact à gauche. Oh putain, merde, non, oh, putain, je suis mort. Ah, putain, c'est dur avec un seul shield. Ok, redémarrer. En avant. Y'a pas de. Ça sert à rien de décaler là. Let's go. Et ça sert à rien d'y aller, hein, poulet, hein. Ok? Si je vous ai pas dit on progresse pas. Tu peux regarder, tu peux prendre les infos, Alro, mais on n'y va pas à l'extérieur. Tant que ça continue de tirer, on balance de la smoke jusqu'à ce que les gens arrêtent de tirer. Je voulais juste bloquer à droite, tu vois, pour que vous puissiez travailler, quoi. Moi, je suis pas avec vous, de toute façon. Donc, j'étais sur votre gauche, 9h à votre 9h à gauche. Ouais. Faut que tu mettes sur le T, surtout, sur moi, ou à droite. Hein. Ouais. Vas-y, let's go. Là, c'est bon, c'est clear. Je reprends la porte wedge. Porte wedge. Moche le mec qui push pendant la smoke. Ouais, j'avoue le timing. Refus une spy. Toujours garde manger. Droite clear. Vas-y, go. Je pique. Pique, 3, push. 2, 1, je pique. Vas-y, y'a le road derrière toi. Clear, à droite. Clear. Yeah. Okay, okay. Les mêmes portes fermées. Midi clear, renfoncement gauche toujours présent. Pour le moment, clear, aucun oscille. Je pique. Ouais, il est pas terrible, Kilo. Allez, lock. Oh, 2, 1, je pique. Yo, tonton, c'est ready or not le jeu. Droite clear. Courant à gauche toujours. J'avance. Gauche, encore une porte fermée, la première, deuxième fermée aussi. Je te laisse en stand-by. J'arrive, Tisman. Vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, j'ouvre en sec. Vas-y. 3, 2, 1, go. À droite, rien, vas-y, rentre, fais main courante à droite. Yeah. Impec. La même chose du coup, et on push pas à l'extérieur, d'accord. On essaye tant que, ouais, ça tire, bon. Tant que ça tire à l'extérieur, on peut pas avancer. Je reprends les infos. Bon, c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. Là, je sais pas pourquoi la porte s'est ouverte en grand alors que j'ai pas appuyé dessus. À ton contact 9h, je vois personne, 6-4. Ah, à notre. À 3h. Ok, juste en face de vous, effectivement. Armé. Je vais pas essayer armé. De tirer. À midi de toi. J'ai essayé de lui tirer dessus. Il repart. Il te. T'es prêt, Alro? 3, 2, 1. Contact gauche. Vas-y, stop! Ça me casse les couilles, ça! Sérieux! Non, mais c'est juste. C'est juste tu tires sur le truc et forcément je sais pas en fait quelle est l'idée derrière les en gros. Deux secondes, je vais essayer un truc, je vais essayer le truc que j'ai jamais tenté par le passé, je vais essayer le beanbag, voir si c'est mieux ou pas quoi. Parce que le paper spray là de merde là, où au final le mec, bon, parfois ça prend, parfois ça prend pas. Je veux bien rajouter un élément de difficulté sur le jeu. Moi j'aime bien la difficulté, mais j'aime pas la difficulté injuste quoi. La difficulté en mode ouais, bah parfois le mec ça va prendre et parfois ça prendra pas quoi. Et ça c'est trop relou. Je vais prendre le beanbag, pas le beanbag. En vrai, je me demande parfois si je devrais pas laisser tomber complètement l'arme principale pour passer juste au M320 flash, qui est à peu près le seul truc qui visiblement leur pète à la gueule, quoi. Et encore, on a vu hier que de temps en temps, il y a aussi certains mecs, sous mes amphétamines ou pas, ils ont les réflexes, l'aim, l'accuracy, tout qui va bien, quoi. Ils se mettent en mode hardcore, les mecs, c'est des bref. Attends, deux secondes. Ok. Je réfléchis. Ouais, je vais tenter le beanbag là. En fait, le problème de West, c'est. Ah non, c'est dans fusil à pompe, t'as la vache.
Je veux bien qu'ils mettent ce genre de truc là et le non létal qui était vraiment un truc extrêmement sexy sur SWAT quoi. C'est vraiment cool de faire du non létal. Je trouve ça vraiment cool d'être dans une logique de récupérer tous les paquets et de tuer personne quoi. Mais là, vraiment, de filer des armes qui servent à rien. C'est pas parce que c'est non létal que ça doit être des nerfs et du ridicule en fait. Ça peut être non létal dans le sens où c'est le but du jeu, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire quoi. Enfin, je pense qu'ils ont dit dans la match qu'ils avaient nerf les pepperballs. Ah ouais ? Le taser a jamais été efficace. C'est pareil. Ils ont rajouté du coup, c'était aussi ce truc-là. C'est toujours, ça a toujours été comme ça. Le taser, il était efficace pour le host de la partie. Ok, ça allait pas trop mal pour le host de la partie, à savoir moi. Et pour les clients de la partie, les autres personnes qui me rejoignent, c'était horrible. Le taser, il proc pas, tu sais. Tu fais, ok, je veux bien rajouter du non-létal. Tu vois, c'est sympa le non-létal. Ça t'oblige à te placer, à machin, à discuter. Qu'est-ce qui se passe dans la pièce, etc. Comment est-ce qu'on fait pour les traiter tous d'un coup, machin. Mais tu peux pas rajouter de l'inconsistance. À la limite, tu balances des smokes. Les mecs, c'est difficile. Ils ont des masques à gaz. Ok, il y a de la logique et tout. Mais là, il n'y a pas de logique, en fait. À part le fait de se dire, de temps en temps, les mecs ne sentiront strictement aucune des armes non-létales que vous utilisez. Et ça, c'est pas cool, en fait. Ouais. C'est bizarre. Je trouve que les fusils à pompe, que ce soit létal ou non létal, sont vraiment nazes. Ah ouais, putain la vache quoi. Merde. Bon après, bon voilà. On verra, je vais regarder. Je sais pas. Je vais tester. Au pire derrière, je laisserai... Parce que c'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs sur les autres versions du jeu. Où au final, du coup, j'ai laissé totalement tomber j'ai laissé totalement tomber l'arme principale, tellement c'était unreliable, quoi. C'était pas fiable du tout, l'arme principale. Et je passais que sur le... Ils l'ont enlevé, du coup. Mais bon, il y a un M320 quand même. Mais le MGL Launcher en grenade flash, quoi. Puisque c'est des grenades impact. Et là, non, en règle générale, au moins, même si ça les fait pas dropper leurs armes, leurs machins, leurs trucs, ça les fait arrêter de faire le truc qu'ils sont en train de faire et la plupart du temps de tirer au final. Ah. Ça m'est arrivé que la balle rebondisse sur le type et que mon écran devienne tout rouge à cause des balles au poivre. Ah ouais ? Ah bah ça c'est parce que t'as pas le masque à gaz, parce que nous on part avec le masque à gaz pour le coup. Peut-être. Ok. Du coup, on réessaye. Ah, moi j'aime bien la difficulté et tout. Bon, autrement on va avoir. J'ai l'impression qu'on va faire exactement ce qu'ils veulent. À savoir, on va passer en non létal. On va passer en létal. Et puis voilà quoi. Suspect that are pepper sprayed can still shoot you but are blinded. Ah. Ok. Il veut dire en français ? Les suspects qui sont sur lesquels tu utilises ton pepper spray, là, le truc au poivre, eh bien, sont aveuglés, mais peuvent toujours tirer au final. Là, pour le coup, c'est... Non, ça, c'est le pepper spray. Oui, c'est mais bon. C'est pas forcément les... Ouais, mais bon, on peut c'est, la, on peut c'est la même chose, hein, c'est du gaz, c'est du gaz CS, je pense. Ouais. C'est du gaz lacrymogène. Y Alro. C'est bon, c'est non, fait. Non, c'est bon. Moi, pardon, ça pas moi. Direct à l'euro, hein. Putain, pas confiance. Bah non, mais en théorie, normalement, celui qui lance la partie, c'est direct ready, quoi. Ouais, oui, en théorie. Non. Oui, c'est vrai, mais non. Ouais, je sais pas. On va voir. Au pire, autrement, on passera sur le létal, quoi. Sur le létal en LPR. Ou c'est LPR, je crois. Hein, quoi ? Les munitions, t'as les AP et t'as les... Je sais plus c'est quoi les autres. Porte ouverte. Ah, à gauche, ouais. Vas-y, bah on s'en fout. Attends, on tape à l'intérieur, on rentre dans le bâtiment, derrière, on rentre. Direct. On rentre, vas-y, Alro, go. Je garde la cover. Ouais. Je peux pas ouvrir là. Pas grave. Je... Vas-y, go. Ouvre derrière, fais gaffe, ça peut venir derrière hein, avec le bruit que je viens de faire. Porte wedge. Ok. En avant, vas-y, Alro, vas-y, sec. Push. Go, je suis derrière. Regarde en face, Tismo. Ouvert à droite, ouvert. Ok, continue ton mouvement. T'arrêtes pas. Je suis derrière toi. Droite clear, fais gaffe. Clear, gauche clear, porte fermée, une. Tismo, tu prends la porte derrière moi ? Ok, reste là.
Sisma, prends la porte du fond. Ok, je le joue tout seul celui-là. Je joue les toilettes, 2 secondes. Clear. Ok. Du coup, bah pareil, faut balancer de la smoke avec ça. Vas-y, va le rejoindre. Je rejoins le Ouais. Je vais vraiment essayer ce truc-là, quoi. Autrement, je passerai directement sur le M320 et smoke, quoi. Les pepperballs font partie des armes à agents chimiques, donc d'après moi, c'est le même effet. Ouais, pour moi, c'est du CS, c'est du gaz CS, tu vois. C'est du gaz incapacitant, là. C'est pas vraiment du... Enfin, le pepper spray, c'est pas vraiment du pepper, hein. Vraiment. Un autre hunter, c'est clear. J'attends d'une civile vers 9h, 10h, je crois. Écho son, moi aussi, ouais. Ouais. J'ai pas de visuel. Ok, sur vos 3h, je vois pas grand-chose. Pousse un peu la porte. Je te prends en sec. Non, mais tu laisses le pique la porte. La porte, elle est blindée, les gars. Jouez sur le fait de te pique un peu la porte et pousse-la un peu à l'ro, tu vois, juste pour te mettre ouais, en... Ouais. Joue avec la porte. 3, 2, 1, je te pique. Normal, à vos 3 heures, vous avez strictement rien. Ouais. À vos 11 heures, je ne sais absolument pas. À vos 9 heures, vous avez rien, puisque c'est moi, ok? Ouais. 9 heures, ça sert à rien. Ouais. Donc c'est 11 heures le problème pour vous, d'accord? 11 heures face midi, ouais. Ok? Pas la peine d'avancer. Avance pas trop. Face midi, je vois rien. Ouais. J'ouvre de mon côté. Et regardez, mettez votre thé sur moi, hein, d'accord? Ouais. Pour que vous compreniez, du coup, ça vous donne les... Moi, je suis sur Tisma, ok, donc je comprends. Du coup, Tisma, essaie d'envoyer une grenade, une smoke loin, s'il te plaît, à 11h par-dessus Alro. Alro, baisse-toi. Accroupis-toi, Alro. Ok, moi, je vais essayer d'en mettre une contact, mais pas trop contact non plus. Ouais. Je fail. J'espère qu'elle va pas partir sur le toit, celle-là. Pas d'écho. Elle est bonne, celle que tu as envoyée là, tu sais. Ouais. Ok, je vais en balancer une pour vous, pour que vous puissiez avancer jusqu'à la porte solo qui se trouvera à 11h en face. Et moi, je vais décroiser, je vais partir à gauche. Ok. Ok, à mes 9h. Allez, let's go, vous pouvez pusher. 3, 2, 1, top. Si ça, 3, 1, top. Si ça tire, tu recules, hein, poulet. Hein. Tu désengages tout de suite. Hein. À ta gauche, tu sais que je vois rien. 9h, rien. Je garde le bouchon arrière. J'ai rien, double porte fermée. Continuez. Non, pas là. Main courante à gauche sur le long du du bâtiment, s'il te plaît. Putain, j'ai pas de wedge en revanche. Porte fermée. Tisma, viens mettre une wedge, s'il te plaît, sur la double machin. Alors, arrête d'avancer, s'il te plaît. Ouais. Tu l'as la porte? GG. Alro, bouge pas. Mais reste debout, Alro, reste debout. C'est pas tes jambes le problème. Va te mettre au coin du mur là-bas. Porte wedge? Non. Un contact hostile. Il m'a pas vu pour l'instant. Il est où? Il est en continuité de la ruelle. Si vous balancez une smoke sur le mur qui est en face, elle part. Là, ça va pas le connecter, je crois. Fais gaffe à la porte à gauche là. Ouais. D'accord, tu fais main courante à gauche et va la wedger cette porte là. Ouais. Faut la wedge, ouais. Pas possible. Comment ça pas possible? Ah oui, d'accord, ok. Passe devant. Alro, fais gaffe. Avance un petit peu, avance de 1m50, ouais. C'est tout. Va wedger la porte, s'il te plaît. Tisma, après, une fois que t'as wedgé cette porte-là, tu vas wedger la porte qui est derrière aussi, la porte du jardin. Tu l'as pas fait, j'imagine. La porte de la rue, cours. Non. Alro, vas-y, décale, prends l'info. Doucement. En étant accroupi sur au-dessus de ton épaule. Tu le vois ou pas? Ouais, je le vois toujours, il est... Ok, bien pris, c'est bon, c'est vu. Ça part. Sur la base bleue. Ouais, elle est parfaite. Tout est wedge. Il tousse. Ok, vas-y, fais gaffe à l'escalier. Ah, on désescale, je vois rien. Deux. C'est bon, ça s'est rendu. Coiffe l'objectif, Tisma, on a besoin de toi. Tisma, prends l'escalier, please. Prends les deux mecs et l'escalier. On coiffe, Alro, continue, t'arrêtes pas. Ok, reste au niveau de... Ouais, vas-y, wedge, s'il te plaît, t'es un bon, super, bien wedge. Tisma, prends l'escalier maintenant. Je te prends l'escalier, c'est bon. Vas-y, monte dans l'escalier, c'est ce qu'on va jouer de toute façon. Avec toi, Alro. En haut de l'escalade, là, ça fait une terrasse carrée. Droite, je vois rien. Je check sur la gauche. Ah,
Contact hostile au fond qui m'a vu. Ok, combien? Je smoke. Au fond, ça veut rien dire. L'heure et la distance. À midi. Face midi, ok. J'en ai vu, ouais. Distance. J'en ai vu. 10 mètres. Ok. Attends, il a des pop devant moi, là, je le vois plus. Je vais balancer une smoke. Tisma, reste debout, s'il te plaît. Je le vois plus, le mec. Hein. Ok, je suis en train de regarder à droite, là. Vas-y, avance un petit peu qu'on puisse passer derrière toi. Je le vois encore en face, à 15 mètres. Ok. 15 mètres, mais il est smoké ou pas, non? Non. Ok. Combien de... face midi pour toi? Ouais. Tu me dis si elle est bonne. Normalement elle devrait être bonne, mais il a peut-être contourné légèrement sur la gauche. Ok, bah essayez d'aller jouer ça tous, ouais. Hein. Vas-y, go, je vais à droite, moi je décroise à droite, vas-y, allez-y tous les deux. Un courant à gauche. Un pack, ça à 11h. Ah, une heure. Deux packs. Midi. Je suis blessé. Là, smoke. Je suis obligé de me soigner. Il y a deux mecs. Un qui est rendu, c'est bon. Sur moi, je bide. Il arrive à ta. Alro. Je dois me soigner. Il a rendu son arme. Il y en a un autre. Allô encore, hein. Ouais. Il s'est relevé devant moi, c'est bon. Mais j'ai les deux. Ok, Alro, vas-y, occupe-toi du mec qui est juste devant toi, vas-y. J'ai Alro. Tisma, prends le deuxième. Main courante à droite, j'ai le deuxième. J'ai le deuxième. Il y en a trois du coup. Deux. J'ai le deuxième, il a dit. Ouais, c'est bien, ouais. T'es où, Tisma? Il est derrière le mur. Non, négatif, donc il y en a trois en fait. Fais gaffe à la porte, s'il te plaît. Ah d'accord, ok, j'ai le deuxième, mais c'est pas toi qui es en train de le gérer. Ok. Le shotgun a l'air un peu plus efficace, j'ai l'impression qu'il envoie... que ça fait quelque chose, quoi. Ok, t'as wedgé la porte, merci. Ouais. Les gars, quand vous faites un truc, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites, d'accord? Ok, quand vous continuez, il y a eu Alro là, on t'a perdu, etc. Et si vous devez crier de l'info, vous criez de l'info, c'est pas très grave, ok? Bon, est-ce que c'est clear le... Le toit, c'est bon, il est clear, hein. Nickel. On va jouer du coup. Ouais, on va jouer du coup. Il y a pas de deuxième escalier, non, c'est bon. Non, négatif. On va jouer la porte et on va redescendre du coup en dessous. Là, c'est main courante droite. C'est un petit. C'est une petite conduit. Petite coursive. C'est là où. Alro, regarde sur la map, ok? On est exactement à l'endroit du 1 et c'est ce qu'on va jouer là. Ok? Ok, c'est bon. En avant. T'as regardé en dessous, Tisma? Oui, clear. Ok, vas-y, jeune wedge. On y va sec, j'y vais en deuxième du coup. Tisma, reste derrière, ne bloque pas dans l'escalier, please. Je pique et je vais pusher pour toi. 3, 2, 1, ça push. Fais gaffe, Alro. Ça donne quoi? Porte fermée en bas. Ok, porte fermée, ok. Nickel, reste au niveau de la porte fermée. Tisma, tu vas aller tout droit, tu vas aller de l'autre côté, tu vas aller prendre les informations sur la double porte, tu sais où elle est? Double sûr porte, ou pas, me dis pas juste oui pour... Oui, garden. Sur la double porte du garden. Ouais, double porte garden, je t'ai mis un point, ok? J'ai mis le point de regroupement. Merde, j'aurais dû te demander de venir checker, bon c'est pas grave. Tu vas pouvoir prendre les informations à droite normalement, on sera à tes 3 heures. En position, je spy. Ça connecte sur une double porte qui est close, le sas d'entrée est fermé. Le sas d'entrée est fermé, ça veut dire quoi? Alors, je n'ai pas directement sur un couloir avec une simple porte. Comme vous avez. Moi j'ai une double porte. Double porte orange. Quoi? Attends, deux secondes. Ça veut rien dire ce que t'es en train de me dire, poulet. Je comprends pas ce que tu me dis. En fait, là où vous avez la descente de l'escalier. À ta gauche, t'as une porte, elle est fermée ou elle est ouverte? À ma gauche, j'ai une double porte. À ma gauche, j'ai une porte qui est fermée.
Ok, et à ta droite? À ma droite, j'ai une double porte qui est fermée. Fermée, nickel, ok, d'accord. Donc on désen... Tu peux wedger la porte, Alro, en face de toi, là? Ouais. Et on va taper la porte en bas, du coup. Si elle est, si c'est compartimenté, c'est bon. Direct, on tape compartiment par compartiment, quoi. En règle générale, c'est ouvert. S'il nous laisse des petits compartiments comme ça, on va prendre case par case. Vas-y, reprends ton shield, mon poulet. Fais gaffe aux portes. Non, c'est pas là, Alro. Main courante à droite, double porte, et on va taper avec Tisma, d'accord? Ouais. Du coup, checker le téléphone. Ok, on est au niveau du point de regroupement exactement à l'heure actuelle. D'accord? Et du coup, les deux portes sont fermées à gauche et à droite. Le but du jeu, ça va être de jouer assez rapidement, du coup, l'élément jaune, là. D'accord? Ok. La porte de gauche. Le but du jeu, du coup, pour toi, Alro, ça va être de venir faire en sorte que la porte de droite reste fermée, ok? Ouais, ouais, ouais. On est bon? Tout est... Ouais, ça, c'est apparu sur le schéma pour vous? Affirmatif. D'accord, super. Donc ça veut dire que moi, je vais jouer à la limite tout seul le truc qui est à gauche. D'abord, on ouvre en sec, là, sans rien faire. On ira jouer le truc à gauche. Et à droite, tous les deux, vous irez faire main courante à droite pour aller wedger la porte qui est à droite, quoi. Ok? Affirmatif. Ok. Jeune wedge. S'il y a rien de l'autre côté, regarde. Tout est clair, les deux. Ok, bah vas-y, ouvre en dry. 3, 2, 1, top. Ouais, lock. Mets-toi à gauche, c'est une porte, les deux portes vont s'ouvrir ou pas? Les deux portes sont battantes. Ouais, mais ça remonte du caca. Reste en plein, Alro, reste devant Tisma dans ce cas-là. Reste au niveau de la porte, exactement. Et vous partirez main courante à droite. 3, 2, 1, top. Go. Droite fermée, c'est bon. Je wedge. Wedge posé. Ok. Du coup, pareil, tu peux checker en dessous. Nickel. Pièce clear. Léger renforcement sur la gauche, mais pièce clear. Ok, en avant. Vas-y, rentre. Quand c'est une petite pièce... Rien à gauche, ouais, rien à droite, c'est ça, moi, typiquement, les amis. Bon, après, voilà, quoi. Ça, faut y aller à l'arme. Mais faut y aller, bah oui, carrément. C'est le genre de pièce où, au final, on peut prendre tous notre arme principale. On pousse la porte en face de nous. Et il peut pas y avoir... Tous les angles sont instantanément scannés, en fait. On n'a pas besoin de rentrer, en fait. Et ce serait débile de vouloir rentrer avec un shield dedans, étant donné qu'on pourrait se faire niquer à une arme avec au couteau, par exemple. D'accord? Et ça nous met encore plus dans la merde. Vas-y, check en dessous, Tisma. Deux hostiles au sein de la pièce. Trois hostiles au sein de la pièce. Un hostile directement au 9h. Ok. Donc si on prend le plan... Prenez le plan. Deux secondes. Prends, dis-moi, d'accord, effectivement, l'heure et la distance. Ok. À la porte, 9h à 5 mètres. Ok, donc au niveau de l'intersection, quoi. Au niveau de l'intersection, affirmatif. Mm-hmm. C'est bon, c'est mieux. La porte en bas des escaliers, elle est fermée, ouais. Ouais, c'est, oui, là, c'est celle qui est en WG, ouais. Voilà, ouais, ok. Okay. Ah ouais. Un au niveau du bar. Donc, il est au 10h. Un qui est au niveau de la réception, bien pris. Au niveau de la réception, affirmatif. Réception vient de bouger à la... Pas grave, okay. Devant. Et quoi d'autre? C'est les deux seules informations que j'ai. Le troisième, potentiellement, à l'intersection, sur les 3 heures à l'intersection. Donc à nos midi, si on reprend vraiment... Donc il y a un troisième quelque part, quoi. Il y a un troisième qui peut être quelque part. Ok, ça marche. Porte ouverte, réception porte ouverte. Ok, retapez. Bien pris, c'est bon. Du coup, retapez tous les deux l'escalier en haut. Vous repartez directement en haut. Vous allez taper jusqu'à la porte que vous avez wedgée. Vous redescendez et on se regardera en face pour avoir deux vantage points, quoi. Ok. Pourquoi? Parce que l'ouverture de votre porte, à mon avis, elle se fait sur la gauche. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous ayez le shield pour pouvoir, prendre des infos. Comme sur le dessin.
Et moi, en revanche, ma porte, elle se fait vers l'extérieur, donc ça veut dire que je peux, travailler un peu avec vous. Ta porte est en double battant, et nous, effectivement, la porte s'ouvre. Elle s'ouvre. Le battant est à gauche. Tu veux remettre un coup de miroir ? Je vais remettre un coup de miroir. Toujours un Pax à la position indiquée sur le plan. Légèrement plus loin, plutôt à 7 mètres que 5 mètres. Pas d'information derrière le bar. Ok, regardez votre patte du coup là, c'est à peu près ça, c'est à peu près à ça qu'il va falloir s'attendre. Le but du jeu, le 1, c'est pour matérialiser du coup l'endroit où tu dois te mettre, Alro, ok ? Ouais, pas tout de suite. Hein, mais c'est là qu'on va discuter. Parce que forcément, il va y avoir beaucoup de bonhommes qui vont se balader dans cette merde là, d'accord ? Donc ça va gueuler de partout, etc. On va taper en plein milieu, donc c'est l'endroit le plus compliqué là, c'est l'endroit le plus complexe. Ça peut bouger, voilà. Le but du jeu, on va peut-être rester là pendant 10 minutes quoi. Et moi, je vais m'aider de la porte pour faire exactement la même chose de mon côté, ok ? On discute, on balance de la smoke, tant que ça tire, on n'avance pas, ok ? Yes. Affirmatif. En face de la porte, y'a rien du coup ? En face de nous là, tous les deux ? Non, non. Ok, jeune Wedge. Ça arrive là, j'ai l'impression. Contact midi. Ouais. Contact midi de la porte, pour vous ? Juste à droite de ta porte. À droite de notre porte. Et repart. Ouais, repart en position à 5 mètres. 5 mètres. 7 mètres. Mister des Boupes est droit au campus. Salut, il repart. Forces spéciales. Merci, d'accord. Lui, s'il roam là, on a envie d'avoir des mecs les plus proches possible. Merci, Mister Dabou, t'es un monstre. Merci pour les 19 mois, les gars. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Merci, Navin, pour les 5 mois. Le but du jeu, c'est quand lui va revenir là, Tisma, ça va être là qu'on va ouvrir, d'accord ? Affirmatif. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais commencer à pousser la porte pour la mettre en opposition. Tu me dis quand il revient. Et je vais mettre une smoke. Il repart dans une autre pièce. Notre porte, elle est wedge encore à nous, hein. Ouais, vas-y, unwedge les poulets. Le couloir est clear pour le moment. Ça revient. Ça revient, affirmatif. Je dis wedge. Stand-by devant les toilettes. Ça gueule. En plein milieu du hall. Ok, plein milieu du hall. Pas d'info derrière le bar. Vous pouvez ouvrir, les gars. La smoke part pour eux. Attention, ça peut courir vers nous. Je vois personne en face. Porte des toilettes fermée. Ça tousse pas des masses, hein. Non, y'a rien qui tousse. Bouge pas, Alro, tranquille. On est bien là, on va rester là 10 minutes hein, au pire. On va attendre que ça roame, on va attendre qu'ils viennent, d'accord ? Pas la peine de se donner le moment. Si on avance là-bas, on peut pas gérer à 3. Devant les chiottes. Face midi, distance tout de suite. Oui, midi. Ouais, distance. Ça tousse. 12, 5 mètres. Ok, très bien, merci. Les gars, deux qui tous heure, distance. Ok, balancez du F, hein. Faut que tu balances du F à Alro, là. Voilà, s'il te plaît. Allez, on leur crie dessus. Ça veut pas dire qu'on avance. On leur crie dessus, bordel de merde. Ok, je vais re-smoke. Mettre une smoke propre en plein milieu. Ok. Je peux faire une smoke rebond. Non, tranquille, pour le moment. Là déjà on est en train de... on avance. Alro, si tu veux faire une main courante à droite, tranquille. Doucement. Parce qu'il y a une porte, t'as une porte ouverte à 11h derrière la réception, d'accord ? Ok. Vu, si tu te lèves tu la vois, là où il y a ma lumière. Je la vois, ouais. Elle me fait peur celle-là. À droite, à mon contact personne, une porte ouverte. Les portes ouvertes à droite ? Ouais. Ok. Et bon. sur ta gauche. Et la porte de gauche, les toilettes sont fermées, contact à gauche. Ouais, là. Ouais. Ça tire. Smoke. Je recule. Vas-y, smoke. Elle est ratée la smoke, hein. Elle est ratée. La mienne, c'est bon, elle est envoyée. Je vois plus rien avec mon shield. Hein. Il y en a deux qui sont pris dedans la smoke, je crois. Non, avance pas, Alro. Reste main courante à droite. Ok.
Reload, tranquille, c'est exactement ce qu'on veut, d'accord? Juste un qui est pris, il peut se relever, hein. Ouais, ouais, il va se relever, il se relèvera quand il veut. Il va prendre une sauce dans... Il va prendre la sauce de sa life. Tu prends 11h, Tisma, tu le gardes en joue, s'il te plaît? Smoke. Parfait, la smoke. Deux au sol, c'est propre. J'ai 11h. Ok, Tisma, tu mets une smoke à tes 10h, d'accord? Loin, d'accord? Je vais mettre une smoke au niveau de la réception. Alro, tu vas avancer jusqu'au coin, tu mettras une smoke par la porte qui est à droite, ok? Ok. Laisse-nous mettre nos deux smokes d'abord. Vas-y, tu fais main courante à droite et t'y vas. Alro, ouais. Go! Regarde à droite. Je smoke à droite. Ouais, doucement, tu donnes un peu trop là. Ok, allez, vas-y, tu fais main courante à droite, Alro. Tisma, suis-le, ouais. Tisma, suis-la, main courante à avec, droite, avec, ça veut avec, dire que tu décales pas du mur. Ferme-moi cette porte, fermez-moi cette porte. Deux contacts devant moi. Fermez-moi cette porte, c'est parfait, fermez-moi la porte. À terre. On s'en fout, fermez-moi la porte. Faites gaffe à la réception. Wedge, Alro, continue, va au niveau de la porte, réception. Faut la wedger tout de suite, nickel. Je referme. Sur moi, essaye de se relève. Ouais. Derrière bah, ça se relève. Derrière, ils sont relevés derrière. Ouais. Les gars, en revanche, quand je dis il faut vraiment pas... Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Je sais, je vais... Ça va sonner très désagréable, mais faites juste ce que je vous dis en fait. Main courante à droite. Vous serrez main courante à droite. On arrive, on wedge la porte. Il y a des mecs qui nous rushent et tout. Je les vois, je suis avec vous. J'ai le T, je regarde, etc. Machin. On s'en fout. Wedge la porte. Il y a des mecs, wedge la porte. Il y a pas de mec, wedge la porte. Il y a un mec à 11h dans la rue en face. Vous wedgez la porte, on s'en fout. On n'a pas le temps. Les smokes, on peut pas gérer 6 personnes au final. On n'a même pas envie de les gérer, ces mecs. On n'a même pas envie de les gérer. Qui reste derrière leur porte et tout. Le but du jeu, c'est de fermer la porte, de s'isoler, de gérer deux gars, et après on en reparlera de ces fils de pute. En courant, okay, ils sont venus, c'est pour ça. Le truc, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on balance des smokes, ok, à chaque fois qu'on va balancer des smokes, on peut pas, sur un environnement aussi ouvert, les smokes, c'est le seul truc qui nous permet, pendant un certain temps, d'être sûr et certain que les mecs vont pas sortir un couteau ou une merde quand on va approcher près d'eux au final. C'est le seul truc qui va faire que ça va les calmer pendant donc même si c'est le bordel, même si ça tire, etc. Le but du jeu, on pendant les smokes, on fait en sorte d'aller verrouiller tous les accès et après on discute. Ouais. C'est juste les portes le principal. C'est de coiffer les objectifs et les portes. Ok, en avant. Mettez le T. Du coup, Alro, va te mettre au niveau de la, va te mettre au niveau du grillage là. Prends l'info au niveau du grillage, fais gaffe. La personne dans la rue. Ouais, vas-y, Tisma, fais main courante à gauche, s'il te plaît. Et va aller choper lui. Ouais, Alro, c'est normal, fais gaffe, ça tire sur toi. Te donne pas trop, ouais. Désengage. Toujours en main courante à gauche. Vas-y, mais vas-y plus rapidement, Tisma, du coup. Tu vois bien qu'à droite, c'est la merde. Tu l'as, lui? Ok, Alro, vas-y. Fais un crabe là. Passe en crabe devant eux là, vas-y, gauche. Parfait, tu peux wedger la porte non maintenant? Wedger la porte là. Tisma, prends la double porte à gauche s'il te plaît. C'est bon, c'est wedge. Ok, nickel, let's go, main courante à droite, en avant. Alro, en premier, Tisma, en deux, vous allez wedger l'autre porte. Derrière toi. Vas-y, je wedge, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. C'est vrai que dans la réalité, tu l'es jamais. Bah, c'est vrai que la lampe dans la smoke. Mais la lampe, c'est. Là, après, il y a toujours la réalité et les jeux vidéo, les mecs. Hein. Moi, la lampe, c'est la possibilité pour moi de leur indiquer où est-ce qu'il faut aller, en l'occurrence. Ok, vas-y, passe en. Excuse-moi. Vas-y, Tisma. Passe derrière à la limite, passe derrière la voiture là. Où je suis, tu vois bien que... Ça va être la merde. Allez, Alro, vas-y, tape dedans. Il s'est verrouillé. Ok.
Dans la réalité, les gars, je l'ai déjà dit, hein, sur ce genre de, d'intervention, etc., il y a 350 mecs de la BRI, du RAID, du GIGN, ce que vous voulez, qui sont envoyés, quoi. D'accord. C'est pas 3 pélos. C'est pas 3 pélos. C'est pas 3 pélos, c'est pas 3 pélos qui arrivent pour. D'accord, quoi. Le ratio, le ratio dans l'armée, c'est quand même de 1 à 30 pour le coup. Yo, Liloute, comment ça va, la plus belle? D'accord, s'il y a un pax et demi, alors il faut 30 personnes pour le neutraliser, quoi. C'est pas un, c'est j'ai pas... J'ai multicam. Pièce clear. Ok, vas-y, let's go. Je prends en face, pique. Tu piques, tu 3, pushes 2, dans la foulée, push, direct. Les gars, en revanche, juste un truc, on va se mettre d'accord. Fermé. Vas-y, reviens en arrière. Oui. Quand je dis pick push, bon, c'est le truc du jeu, d'accord. Mais c'est vraiment le fait de piquer et pusher par la personne qui push, d'accord. C'est pas. C'est pas toi qui viens. Non, c'est toi qui l'a bien fait. C'est Alro qui push à chaque fois. Je sais que j'arrive pas à trouver un terme qui serait adapté, quoi, d'accord. Pick, push, c'est ça, d'accord. Et c'est pas oui, du coup open. Le fait de faire un pick avec open avec ton shield, quoi. Ouais, en fait, c'est plus pick non, vrai, open et push, c'est quand tu la pousses. En vrai, je me trouve. Enfin, non bref, mais c'est compris. Mais quand je dis pick push dans la foulée, ça veut dire que Tisma tu ouvres pleinement la porte du coup. Ok. Oui. Je fais d'abord un petit pick et j'ouvre direct. Exactement. Et Alro du coup t'attends que la porte soit pleinement ouverte pour pousser derrière. Ouais. Et quand mais c'est ça, sec c'est direct. Un abus de langage pour moi pour le coup. Il a dormi pas assez. Pièce claire, toujours renfoncement à gauche. Ça fait les deux sauveurs de l'humanité contre 200 terroristes. Ouais, j'avoue, quand vous jouez à 2, tu sais. Même à 5, déjà. Hier, c'était cool à 5. Je pique Alro. Ok, autant pour moi. Mais là, bon. Je pique push. Moi, ça me frustrait énormément, push. Ce genre de truc-là, tu vois. J'ai envie que le réalisme soit. Voilà, quoi. Et si c'était réaliste, là, honnêtement, sur une intervention comme ça, il y a 500 personnes qui sont mobilisées, là. Ouais, peut-être okay. Pas 500. Il y a 250, je vais chercher les toilettes. C'est le GIGN, il y a 250 personnes qui sont mobilisées. Plus déjà toute la départementale du coin qui s'assure qu'il n'y a personne qui bouge dans un rayon de... Voilà. Un EC-135 au-dessus. On peut avancer contact à la porte. Envoyer, tu vas pas envoyer trois pauvres pélos. Hé hey, les gars, allez-y. Avec je prends un, l'information avec un dégueulasse une heure. En plus. Une heure clear. Une heure, pas d'information spécifique. Deezer, pas d'information. Du coup, 6 pour ton midi, ça paraît clear. Ok, ça marche. Je pique du bon côté, je joue avec la porte. Et à ton 9h également. Ok, tranquille, je fais exactement la même chose, désolé. Effectivement, à vos 3h, je vois rien. Effectivement, à vos 3h, c'est clear, vous pouvez regarder sur ma caméra. Toujours ta cam. Ok. Ouais. À mon contact à droite, ouais, je peux rien voir. Et je commence à prendre les infos dans la cour. Dans la cour, ça a l'air relativement clear. La porte simple, je sais pas si elle est. Elle a l'air d'être fermée. Ok, on peut essayer d'y aller en dry hein, jusqu'à ce que ça tire au final. Si on n'est pas. Si on a rien trigger, autant en profiter. Hein. 3, 2, 1, j'open sec. À gauche, six, je vois rien. Ok, merci. La double porte est fermée, la porte simple, faut aller la jouer. Va wedger, Tisma, la porte double. Ouais, fais gaffe, main courante à gauche, là, derrière le cabanon. Je wedge la simple. Vas-y, Alro, j'ai ton coin de... C'est bon. Ok. Vas-y, prends l'info, Alro. Y'a un mec juste derrière la porte, lol. En haut des escales, je vois rien. Ça, dans le réalisme. Dans la ruelle, ah. Un mec au fond de la ruelle qui okay. S'est mis combien à terre. De mètres, poulet 10 mètres, 1. Il s'est mis à terre, vas-y. Ouais, il s'est mis à terre. La smoke est bonne. Je garde le haut des escarres. Merci trop pour les 18 mois. T'es un monstre, vous êtes des monstres, les amis. Ok. Let's go. On pousse tous les deux, Alro. Vas-y, let's go, allez. En avant, Tisma, prends la hauteur, s'il te plaît. Garde le CERS, je garde le hauteur. Ouais, s'il te plaît. Je wedge la porte seule. Vas-y, je gère le mec. Porte, hein. C'est bon, c'est wedge. C'est pareil ça, un autre truc, quitte à prendre, on l'a dit, le réalisme du SWAT, parce que là j'ai l'impression que tu peux faire des trucs avec eux de loin, mais ce serait quand même de cool, quand les deux mecs s'étaient rendus en plein milieu de la pièce, de faire un vrai truc en mode, venez vers moi, retournez-vous, ok, main sur la tête,
et vous reculez, reculez, reculez. C'est à eux de venir vers toi, quoi. Et ça, ce serait cool, du coup, de les faire venir vers toi, reculer, reculer, reculer. Bam, tu fais F et tu le saisis, quoi. Et là, tu vas pas en mode comme tout à l'heure, où au final, les gars, dès qu'ils sont, ils se mettent juste par terre. En plus, ces fils de pute s'allongent même pas. Tu vois, quitte à avoir, à la limite, un mec, le mec, c'est Jackie fucking Chan, ok. Autant lui demander de s'allonger directement, quitte à intervenir, quoi. Non, non, il se met vraiment en position, je suis prêt à faire un truc, quoi. Bon, vous avez réussi en S, ouais, on a tout réussi en S de hier. Toutes les missions qu'on a faites, on passe pas une mission après si on n'a pas fait le S. Tu peux faire avec le mode commandant. Le mode commandement, c'est quoi le mode commandement? C'est jouer tout seul, non? C'est quoi le mode commandement, Inas? Ouais, c'est le mode solo, ça. C'est une touche? Oui, je crois que c'est le menu déroulant sur W, non? Hein? Que t'as pas, vu que là on est en multijoueur. Ah. Non, ça marche à multi aussi, ça marche. Ça marche bon. Multi. Ouais, mais bon, fin. Attends, moi ça m'intéresse. Servir, ah ouais, c'est molette de souris. Excuse-moi. Ouais, ouais. Et tu cliques sur la molette de la souris, mais bon, là, je vois pas comment ça peut fonctionner, tu vois, genre. Ok. Et après, comment tu... Ah d'accord, 1, 2, 3. Ah bah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ah non, ok, d'accord. Autant pour moi. Attendez, je comprends. Non, c'est ça qu'il veut. Hein. J'espère. Désolé les gars, mais moi ça m'intéresse ce genre de truc là. Moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer, quoi. Parce que là j'adore vraiment la partie mais... S et tout, mais... Ah. Sur le multi ça marche pas, ça, de toute manière, je crois. On va voir. Turn around. Ah ouais, turn around. Move to exit. Ça c'est pour tes potes, non? Après là il peut pas le faire vu qu'il est restrain. Mais c'est grisé vu qu'il est restrain, mais ouais. Attends, 1, 2, 3, putain ils me perdent avec leur truc. 4, 5, 6. Ok. Et start a search. Ok, mais là c'est juste pour commander du coup le truc, attends. Non mais ça regarde, m'intéresse si, pas. Si tu allais sur l'otage. Quoi, sur l'otage? Sur l'otage tu vas avoir... Bon, les informations sont grisées vu qu'il doit être restrain. Ouais. Mais si tu vas sur lui, t'ouvres le menu. Ouais, et? Et t'as des informations genre turn around, move to exit. Je lui ai dit de venir vers ma position là, voir s'il va venir. T'es sérieux? Attends, comment t'as fait ça? Parce qu'il vient là? Ben ouais, il vient. Ben là, moi par exemple, je clique sur la molette en le regardant, tu vois. Ouais. En mettant le crosshair sur lui. Oui. Et genre, c'est marqué num 2, on y va. Je fais num 2. Je lui dis stop. Et je lui ai dit ma position. Putain mais c'est énorme ça. Bah vas-y déjà, ouais, ça c'est mieux mal. Parce que... Et donc du coup donc ça veut dire que les mecs qui sont au sol pareil, quoi. Ça je sais pas, tu c'est vois pas très... pas tout, c'est pas très facile à utiliser quand même le truc, ouais. Hein. Non, ou c'est moi qui suis débile? Non il y a un coup de main à prendre. Ouais, ma je pense. Et surtout que concernant les touches pour ça, en fait moi j'ai mis celle du pavé numérique, tu vois. Donc ça t'oblige à genre déplacer la main, tu vois, de ZQSD pour aller sur le pavé numérique, tu vois. Move and stay there. I need you to move. Mais attends, mais moi, je suis pas sûr en fait. Ah, je pense qu'il le fait là, mais il bug en fait. Enfin, il est arrivé sur un truc, mais il est effectivement en train de bouger quand même. Ok,
Faudra tester ça quand même. Et là, si je t'envoie un ordre à toi, deux secondes. Si je t'envoie un ordre ouais. à toi, du coup, genre zone de recherche. Là. Ça t'envoie un truc, ça te... Non, j'irai du tout, non. D'accord, ça te dit pas un petit truc, ok, ça marche. Je vais pas, en fait, je vais pas avoir aussi une espèce d'alerte qui dit ouais, machin, t'as non, dit non, de faire ça. Ouais, je sais pas, tu pourrais... Ouais, ok. Mec, ils auraient pu faker un Google Lens, je sais pas quoi. Je m'ouvre le jumper et il sort là pour la prochaine. Yo, jump, comment ça, poulet? Eh ouais, ça va bien, Ibo. Eh ben, écoute, ça va, on a bien dormi, franchement. Ouais, ouais. Ouais. Comme la radio sur CS avec les touches W, X... Ouais, bah ouais. Reporting in! Faut le coup de main, ouais. Reporting in! Il y avait quoi, d'ailleurs? Non, le fire in the hole, c'était automatique. C'était C1. Enemy spotted. Le enemy spotted. C1. Putain, la vache, je m'en souviens encore. C1, je crois. Go, go, go! Oh putain, parfois t'allais dans des salles de jeux en réseau pour les vieux ici. T'allais dans des salles de jeux en réseau, ces fils de pute, ils avaient mis Counter-Strike en français quoi. En fucking français, sérieux. Et là t'entendais des trucs du genre ça va péter. Putain, à chaque fois qu'il y avait des mecs qui avaient mis le truc en français, ça faisait ça va péter. Je disais vas-y, j'en peux plus. J'en peux plus, je jouais pas. Affirmative. Non, c'est C1 affirmative. Ça va péter, ouais, voilà, c'est ça. Oh putain, j'en pouvais plus de ça. Go, go, go! Allez, on en vient. Je crois que c'est le truc qui m'a fait passer à la VO. Hein. C'est quoi les salles de jeu? Ok, ok, stop, stop, stop. Info direct. Midi, 10 mètres. 10 mètres, midi, ça part. Ah, je sais pas si elle est bonne. Doucement, doucement, désengage, désengage. Mètres, il vient vers nous. Mètres. Ouais, recule. Ouais, ouais. Il est passé de là. Doucement, doucement, okay, doucement. Okay, reste à droite. Juste devant moi là. Ok, midi, je smoke. 5 mètres. Là, tu, peux essayer. Tu penses? Ouais, ouais, elle est bonne, il tousse, il s'est décalé sur la gauche par contre. Ok, vas-y, essaye d'aller jouer, prends les infos, tranquille. J'avais rien contact à gauche, j'avance, encore un mec là devant moi, midi 10 mètres. Ok, vas-y, je smoke, allez, smoke, on... Je sais pas si c'est le même ou pas. Un petit peu long, je pense. Elle est bonne. Je contourne par la droite. Avec toi. Deux heures, ça vient sur toi. C'est bon, il s'est rendu lui. Je le garde. Attends. Bah go essayer le... Je le garde lui. Ah, on joue. Je prends le mien. C'est bon pour le mien. Je l'ai toujours en joue. Attends, Six, si on essaie... Attends, stop. Ne bouge pas, ne touche pas lui. Nice, je lui ai fait demander de se retourner. Et du coup... Tu peux lui dire de venir vers ta position, non? Oh ouais, nice! Voilà. Oh là, ça me plaît ça, c'est pas simple quand même. Ouais, ouais, mais ce truc là que je disais, en plus je leur disais putain, s'ils voulaient vraiment un truc réaliste et tout. Le mec, tu le fais venir quoi, jamais tu vas jouer un truc. Oh, c'est incroyable ça. Oh, c'est vraiment sympa ça. On est tranquille. Putain, bah heureusement que t'es là alors. Au final. Fais gaffe, je vais pas tout clear. Le Marseillais, il connaît un peu. Ouais, bon, d'accord. Hein? Ouais. Putain de nantais. Ah non, mais bon. Ça te fait pas bizarre d'arrêter tous tes frères là, tes frères criminels? Ils sont tous marseillais, allez, hein, mec. Direct. Ouais, tu vois, non, mais direct. Voilà. Enfin, je sais pas. Ah. Ok, il y avait deux armes. Lui, il avait sorti une autre arme. Le shotgun, c'est quand même sympa, quoi. T'as pas l'impression de, t'as l'impression de tirer des trucs sympas, quoi. Lui là, ton mec là, j'en ai ramassé deux d'armes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il avait sorti une autre arme. Ok. Ah, moi, n'avais pas d'autre arme. Ouais, là le mec j'en ai ramassé une, okay, ou je sais pas c'est qui l'a ramassé aussi, mais elle est là. Moi. J'en vois pas d'autres par terre. Ok, Afid, du coup tu peux checker à l'intérieur, Tisma, vas-y. C'est pareil. Bah je... personne sur le dessus, sur contact. Ok, jeune wedge, du coup je pique, push pour toi, Alro, je suis derrière, ouais. D'accord. Vas-y. Ok. 3, 2, 1, je push. Laissez toujours du... Porte ouverte en bas, porte ouverte. Ok. Et la double porte en face aussi ouverte. Je vois rien.
Ok, bah reste là. Ouais, je reste là. Tismar, vas-y, cours à l'extérieur. Va jouer la porte double. Go. Vite, essaie de nous donner de l'info par rapport à ce que tu vois, d'accord? Alro, fais gaffe, tu sais si ça. Regarde, mets-toi sur moi au niveau de la cam. Je recule. C'est important de savoir que là, ce qui va se passer, il y a un moment, il y a un mec qui va te voir. Il y a un moment, il va gueuler et il va te rusher dessus, ok? Viens pas te mettre dans mon canon, d'accord? Ouais. Ça aussi, un truc bien débile du jeu. Si je me mets là. Voilà. Je recule par là. Au midi. À mes midi. Face midi. Donc, mais attends, tu dois le voir à midi. Toujours derrière la double chargeur. Alro, décale, je laisse pas tirer dessus, Alro, s'il te plaît. Elle est pas bonne ta smoke, hein. Ok, la smoke ne désengage. Pas. Tranquille, Alro, mets-toi au niveau du coin du mur. Voilà, nickel. Je vais rebalancer une smoke, il faut que je puisse décaler. Mets-toi au coin du mur, poulet. Tranquille, laisse-le tirer. Ouais. Mis à cover derrière le distributeur. Elle est bonne ta smoke. Bien sûr qu'elle est bonne. Il tousse. Il sort. Attends, lui. Allez. Il sort pour vous. Il est passé, on peut rien faire. Il est parti à droite. Vas-y, Tisma, tu vas pouvoir rentrer et jouer la porte qui est à ta gauche, toi. Alro, tranquille. Ouais. Ouais, mais s'il y a un mec qui arrive contact couteau, je peux rien faire, frérot. La porte est en wedge, je suis en position. Reste accroupi, Alro. Bouge pas là. Y a un mec accroupi. Alors, il y a un mec qui tousse. Please. Qui tousse chez toi, Tisma. Ouais, chez toi, Tisma. Qui tousse chez moi. C'est porte ouverte. Ok, je smoke pour toi, Tisma, tu vas y aller, ok? Affirmatif. Attention, je sais pas ce qu'il y a du coup dans le closet. Le mec à droite peut revenir, Six, fais gaffe. Oui, je sais, je suis au contact shotgun. Vas-y, Tisma, go. Fais gaffe dans le closet, porte Tisma. Porte-lock. Ouais, mais quand je te dis go, faut déjà piquer les portes, les gars, à peur. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Civil. Gère là. Civilian, ready to go. Bouge pas, Arro, t'es parfait. This is talk. Great work, Entry Team. Keep it up. Ok, Tisma, vas-y, viens vers nous. Ouvre la porte là en face de toi. Push là. Push. Nickel, c'est bon, tu peux jouer à partir de cette porte là déjà, ok? Deux secondes, Arro, s'il te plaît. Ouais. Je la ferme, elle. Ah merde, attends. Non, t'inquiète, je l'ouvre dans l'autre sens, c'est juste qu'elle me gêne. Je croyais que c'était moi qui l'avais fermé, ça fait non, t'inquiète. Du coup, vas-y, essaie de. Des toilettes fermées. Ouais, de toute façon, ça va se donner là. Attends, je. Ça va tirer. Ok, tranquille. Contact midi, 5 mètres. Je mets une smoke contact. Toujours 5 mètres, elle a, mal rebondi, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils viennent vers nous. Je recule un peu au cas où. Non, négatif, là, tu viens de faire l'erreur, tu vois. Je peux pas t'aider si tu recules. Oh, mets-toi au niveau de la porte, avance un petit peu, laisse-moi la possibilité de balancer ma smoke. Profonde. Elle part, elle est envoyée, c'est une smoke rebond, elle va être bonne. Tisma, tu peux commencer à regarder un peu au niveau de la réception surtout, à 11h, ça tousse hein. Ouais, ça tousse à droite. Alro, tu peux avancer d'un mètre, réception. D'accord? Un voire deux. Stop. Merci pour moi. Ouais, ok. But du jeu, on le sait du coup, d'accord? On essaie de les faire baisser. Deuxième au fond, 10 mètres. Balance une smoke, Tisma, s'il te plaît. C'est rendu le mec au fond. Ouais, ok. Merci. Il doit y avoir du monde à droite aussi. Bouge pas. Ils vont rien faire du coup. Si je le fais, lui. Oh, putain. Du coup, lui, il est trop loin pour moi, c'est ça? Faudrait rebalancer une smoke au fond là si tu peux, Six. Non, négatif, contact à droite, Yana. Ouais. Contact à droite, vas-y, envoie la Tisma, contact à droite, ça va venir. Pour la droite. Oh, ne recule pas, c'est pas grave, elle est bonne, t'inquiète, ouais, il va se relever, forcément, bien sûr qu'il va se relever, fils de pute. Ok. Alro, tu vas aller prendre l'info à droite, juste prendre l'info et revenir, s'il te plaît, si la porte est fermée ou ouverte. Porte de la réception ouverte. Vas-y, recule, t'es pas fucking montagne. Je recule, je suis blessé. Bah, recule complètement dans les escaliers. Ouais, putain, je peux pas là, putain, je vais crever. Je me soigne. Vas-y, balance de la smoke, Tisma. C'est bon. Ouvre pas des lignes qui servent à rien, Alro, hein. Prends ton temps. J'ai juste pris le. Essaie de balancer. Droite, Balance une smoke dans la réception, Tisma, s'il te plaît. Encore, mec, sur la liste, là, devant. Balance contact tout de suite, Tisma. Ne recule pas, Alro. Devant. Tranquille.
Ok, fais-le venir vers toi. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut les faire venir et tout. Alro, arrête de reculer. Alro, s'il te plaît. Fais juste demande. Ok, tranquille. Regarde à droite, Alro. Ok, merci. T'as pas besoin de les gérer. Ok, je vais smoker. Je vais smoker pour toi, Alro, t'inquiète. Allez, Tisma, tu peux les gérer, eux. Je gère. Non, j'aurais aimé que tu les fasses venir vers toi, mais bon. J'arrive pas à les faire venir plus. C'est bon, t'inquiète. J'espère qu'on n'a pas une autorisation de la force non autorisée. Faut me le dire, si. Non, on est gourné, Ok, ça va. Récupère les trucs. Fais-les venir vers toi, tranquille. Voilà, nickel. Putain, les gars. J'ai toujours le mec, qui est rendu en face de moi à 10 mètres. Ok, ça marche. Et il y a sûrement un autre qui est sur la gauche aussi. Ok, Alro, je veux que tu apprennes à faire un truc, s'il te plaît. Ça va casser un peu le RP, mais si tu fais Alt plus une décale... Tu ouais, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on décale, ok. Donc tu peux revenir là, légèrement à droite à l'intérieur, et faire ta décale, voilà. On glue un peu... Voilà, merci. Du coup, moi, je peux venir derrière, ok. Je peux essayer de venir travailler. Un peu récalcitrant, tu les enfermes dans la pièce en face, là, récupère les évidences, on attend qu'on récupère Tisma, et on discute. À chaque fois qu'on gère un bonhomme, les gars, c'est bon. C'est quoi tes recos à le rôle? Toujours le mec en face, 10 mètres, par terre, et sûrement un mec dans le couloir derrière les chiottes, et à droite, pas d'infos. Je peux te donner une information à droite. Tisma, arrête avec cette porte s'il te plaît, poulet. Laisse-la ouverte. Droite, pas d'infos. Bah c'est pour le mirror gun. Ah ok, d'accord, ça marche. Mais tu peux le faire en extend, tu peux avancer jusqu'au bout de la porte. Et le mirror gun ne s'utilise pas que c'est un bâton aussi. Voilà. Mais j'ai pas l'info, l'info que je peux avoir en étant en dessous de la porte. Sur l'angle. Il y a un mec contact à droite visiblement. Ouais, je l'entends aussi. Ok, Alro, tu peux smoker toi-même quand t'en as envie, à la limite au niveau de 11h assez long. Tisma, tu vas te smoke double au niveau de la réception et au niveau du contact à droite, d'accord. Alro, tu vas prendre la formation, le but du jeu c'est de fermer la porte qui va être main courante à droite, d'accord. Pendant que moi je gère ce qui se passe au niveau de... à l'intérieur du... dans la réception, ok. Ouais, mais il y a le couloir de gauche aussi, hein. Oui, je sais, bah... je sais, on va avancer jusqu'au coin, d'accord. Vas-y, go, Alro, balance la smoke. Les gars, faites juste ce que je vous dis. La smoke de 11h, quand je te l'ai dit, Alro. Hein. C'est bon. Smoke recep. Mm-hmm. Smoke contact droite. Allez, coupé. Alro, va au niveau du... va au coin. Porte de la réception ouverte. Double porte à droite ouverte aussi. Ok, ça marche, Tisma. Avance en croisée, s'il te plaît. En croisée. C'est pas grave, ok, c'est moi qui croise. Ok, je redécroise. Ok. Nom de Dieu. Ok, Alro, c'est fait. C'est ouvert du coup la porte là? La porte à ta gauche, elle est fermée. La porte à ta gauche, elle est fermée, donc c'est bon. Je vais balancer une smoke, faut rebalancer une smoke derrière la réception. Et Alro, tu vas la jouer la double porte à droite. Pourquoi tu tires là? Plus de smoke. C'est moi, misclic. Ah les gars, plus de smoke, ok, ça marche. Double porte, je la ferme, hein. C'est parti dans la réception, le mec en face, je le garde en joue, d'accord. Alro, tu vas... Tisma, tu vas partir avec Alro, fermer la porte de droite. Affirmatif, ok, je go. Watch. 3, 2, 1, top. Top, allez, on s'arrête pas. Vas-y, tu peux la fermer. Nickel, parfait, l'autre porte de la réception, pareil. Porte wedge. À gauche, la porte de gauche, faites gaffe, elle est, elle est ouverte. Hein. Ah, je pensais qu'elle était fermée. Recule, Alro, recule. Vas-y, viens. Fermé. C'est bon, j'ai la porte ouverte à gauche. Ok, bah tu y vas, faut aller la wedger aussi. Ouais. Tu y vas, tu prends l'info et Tisma en fonction. C'est bon, tranquille. C'est bon, Alro. Vas-y, tu peux venir fermer. Wedger, tu peux gérer le bonhomme. Tu peux gérer le bonhomme, Alro.
Ok, Tisma, tu peux venir regarder le ce qui se passe en dessous là. C'est tout wedge là aussi, c'est bon. Hein. Mm. Trois cabines de toilettes, pas de pied dans les cabines de toilettes, pas de contact. Ok, c'est clair. Bon, bah vas-y, rentre. Clair. J'ouvre sec. Vas-y. Porte bloquée. Camline. 3, 2, 1, top. Tout clair. Ok. Un petit point de topo, non? Voir ce qui nous attend là sur la carte. Mmh, ouais. Might stick out. Faites déjà checker vos munes là. Moi je vous vois avec 8 smokes du côté d'Alro et 9 smokes du côté c'est de. C'est pas actualisé. Ah oui. On actualise pas le nombre que tu as. Mm-hmm. Ça c'est relou. Ok. Mais ouais, moi j'ai encore pas mal de smokes moi là. Ok, ok. Oui, normal toi. Toi c'est à toi de les utiliser en dernier pour le coup. Ok, laissez-moi réfléchir. On va jouer la réception du coup qui est à gauche ici et je vais aller la jouer de l'autre côté au niveau de la rue, d'accord? Qu'on puisse la gérer. Tismad, déjà check ce qui se passe au niveau des doubles portes, juste contact à gauche. Un pax dans l'autre pièce qui connecte. Je vais le marquer sur la map. Dans la pièce à droite, quand tu regardes, c'est ça? Affirmatif. Mets-le directement. On marque. Ok, dans le couloir du coup. Affirmatif. Ok, tu vois rien dans la réception? Dans la réception, rien. Ok, d'accord. C'est toi qui vas aller du coup sortir, faire main courante à gauche, t'auras une meilleure vue pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la réception, d'accord? Affirmatif. Tu vas sur le point de ralliement là. Dis-nous. La pièce est entièrement clear. Pas d'informations dans la vitrine. Au guichet. Pas d'informations sur les deux guichets visuels. Ok, tu vois. Attends, la porte à l'intérieur du guichet, elle est fermée ou elle est ouverte? La porte? Est-ce que tu la vois porte, la porte du guichet est ouverte. Elle est ouverte. Elle était ouverte. C'est pour ça que j'ai pu voir la personne qui a été marquée. La personne qui a été marquée est dans l'autre pièce. Il y a un comptoir. La porte qui est derrière le comptoir. Peux-tu la voir? Non. Je ne peux pas voir derrière les comptoirs. Ok, ça marche, ça marche. Et à l'intérieur du comptoir, tu peux pas vraiment être sûr que ce soit plein ou clear ou pas? Je ne peux pas voir non plus. Ok, d'accord, ça marche. D'accord, du coup, en revanche, t'es sûr et certain, contact de notre porte, y a rien, on est d'accord? Au contact de votre porte, non, rien non, du tout. Non, y a rien. C'est dans le couloir à droite, à tes 3 heures du coup, Alro. Mais on sait pas ce qu'il y a à 11h au niveau de la réception qui est dans la direction de mon bras. Yes, okay. Tu ouvres la porte de gauche? Est-ce que je peux ouvrir la porte de gauche? Non, négatif, ouais. Tu veux la porte de droite? Moi j'ai envie de la voir, la porte de droite, elle est en protection. T'as vu la tronche de la porte? Ouais, vas-y. Du coup, je pique la porte déjà, tranquillement. Tu peux faire pareil de ton côté. Les gars, pique la porte, c'est la possibilité pour nous d'être à peu près synchro. Parce que là, si tu me dis au moment où je te dis pique la porte de ton bras, c'est pique. Bon. Mais te donne pas en face de la porte, poulet. Tu peux pas pique la porte et être en face. Regarde le positionnement que j'ai. Voilà, nickel, impeccable, poulet. Affirmatif. Ouais, s'il y a le mec qui est en face et que ça tire, on n'est pas dans la merde. Ok, on push dans 3, 2, 1, top. Alro, tu rentres pas. Top. Réception, je vois rien. Prends l'info sur la réception. Alro, reste au niveau de la porte, accroupi, please. Avance, accroupi. Réception, il y a quoi? Essaye de prendre l'info sur la gauche. Allez. Essaye de scan. Tisma. Réception, rien. Ok, d'accord. Porte fermée. Ok, très bien. Dans le guichet. Je
je vois Impax en face de moi, midi 5 mètres, dans le couloir. Ok, j'essaie de le smoke, du coup il regarde pas. Il me voit pas. Ok, bah smoke le tout seul. Tisma, prends la porte que derrière c'est la réception, bon, please. Affirmatif. Il tousse, il vient. À terre, c'est bon, à terre. Ok, tranquille. Tu coiffes l'objectif, s'il te plaît. Ouais, ouais, c'est bon. Ferme la porte derrière lui. Ferme la porte derrière lui. C'est bon. Wedge. Ouais. Oh, t'es pas obligé de wedger. Reste sur ton shield et bloque la porte. C'est bon, allez wedge, okay. Allez wedge. Nickel, tu peux bon. Le gérer. Nickel. Voilà, parfait. Tisma, tu regardes la porte, nickel. La porte est fermée, on est d'accord? Ok. Porte fermée. Ok. Tisma, tu peux wedge, tu peux checker du coup. T'es, je vois pas mes wedge par contre. Vous le voyez, vous, le wedge, ouais? Ouais, je le vois, ouais. Oui, oui. Oh, d'accord. Bon, lui, il va pas me casser les couilles. C'est un coup de main à prendre quand même, le fait de lui dire de venir. C'est un cosplay de Pulse là, 6-4. C'est trop drôle. Et ta mère, c'est un cosplay de pute. Sur le contact gauche, ah, c'est clear. Un renfoncement sur la pièce à droite. La violence. Je reprends le plan. Le truc qui part comme ça. À gauche, ça donne quoi, pardon, toi, pour moi. Gauche clear. Ok, donc nickel, impeccable, donc ça veut dire qu'on peut rentrer. Gauche clear, droite clear. Gauche clear, droite clear. Et c'est fermé? Porte fermée, porte droite fermée. On peut y rentrer, c'est une safe zone. Ok, du coup, let's go. Allez, on unwedge. Multitool. Unwedge. Unwedge. Tisma, passe en troisième, s'il te plaît, je vais passer derrière Alro. Alro, tu pars direct, okay. Main courante à droite, d'accord? Ouais, par contre, je vois plus rien avec mon shield. Ok, ça marche. Ouais, c'est bon, allez, c'est vas-y, bon, tu peux pousser la porte. Go! Stop! C'est bon, je suis devant la porte. Ouais, reste debout devant la porte. Nickel, impeccable. Je vais checker ce qui se passe derrière là. Ici, on est d'accord, c'est clear. Réception de mes couilles. Super! Check ce qui se passe derrière, Otisma. Pour l'information. Ouais. Dropping a light. À 1h, porte ouverte, connectant sur une autre pièce. Première partie de la pièce, clear. Alors, bon, je sais que c'est rien parce que c'est difficile et que c'est le jeu, mais le but du jeu avec le shield à cet endroit-là, c'est surtout de bloquer la porte si le mec il arrive, quoi. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça, exactement. Mets-toi sur le T à mon endroit, au pire, tu verras que. Tu c'est bon, GG, ouais. Porte ouverte aux 1h et pas d'informations sur la porte. Pas de Pax. Mais une porte donnant sur une autre pièce qui est ouverte. Donc la porte sur. Je reprends le plan. Ah, 1h, tu avais dit non. Ouais, mais la porte de gauche, ouais. Elle est. Là, la corde de gauche, elle est fermée en fait. Ici, c'est fermé ça. Tout à fait. Mm-hmm. Porte, donc, exam room. Porte exam room vers stock, open. Le truc à gauche là, c'est verrouillé. Hein. On peut pas la jouer celle-là. Affirmatif. Ok, du coup, faut jouer à partir de la réception. Ouais, ok. Faut jouer par la porte réception, please. Affirmatif. Ça sert à rien de jouer ici. Tu veux rester là, toi? Non, négatif, non. Vas-y, alors, non. Vas-y, je wedge, attends, je wedge. Ah ouais, attends pour moi. Encore, oh, vas-y. Non, bah laisse-le moi. En dry, c'est parfait. Vas-y. Je passe au M320, je vais rester là tout seul. Vous pouvez l'ouvrir. Y'a rien dans la pièce, tu m'as dit, Tisma, on est d'accord? Non. Checkez vos munes. Pièce clear. Mais toujours attention, la porte qui connecte. Porte toujours open. Et du coup, j'ai récupéré un wedge là ou pas? Ouais, c'est bon. Non, tu récupères pas, tu les coupes. Si, c'est bon. Non, je l'ai bien récupéré. Ok. Du coup, attendez, je suis obligé de déverrouiller mon truc moi. Enfin, je suis obligé de le lockpick. Tisma, tu check toujours? Ah non, d'accord, ok. Check pick. Vas-y. Quand vous voulez, hein, si vous voulez l'ouvrir, normalement il n'y a personne dedans, vous m'avez dit, donc tu peux piquer la porte pour lui, un grand. 3, 2, 1, push. Nice. Tisma, rentre pas, tranquille. Ballon. Droite porte ouverte, okay, 2 mètres. Très bien, ouais, bah, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Ouais. Vas-y, tu peux balancer ta smoke à l'intérieur. Vas-y, je balance. Ok.
tous. Ça, tous à l'intérieur. Prends les infos à l'intérieur, tranquille, sans rentrer. Hein. Regarde ce qui se passe dedans. Une autre porte ouverte à 11h dans la pièce. Le Pax il est là-bas, ils tous. Je vois rien d'autre. Attends, je vais en mettre une. À 11h, il y a une pièce, vas-y, balance là dedans, Tisma, ouais. la smoke. 11h, une porte. Balance la smoke là où il t'a dit, Alro. Plus de smoke, plus de smoke. Plus okay. de smoke. J'envoie. Vas-y, Alro. Contact à droite, y'a rien. Contact à droite, y'a rien. Okay. J'avance. Vas-y, on y va. Let's go, Tisma. Suis. Je coiffe l'objectif. Je bloque la porte. Je ferme la porte. Non, négatif, non, il est dedans. Vas-y, rentre. C'est une seule et même pièce quasiment, ça. C'est un couloir. Faut l'appeler cette meuf là. Ok, tranquille, mais gardez-la en joue pour le moment. Ah, y'a une autre porte ici, bon. Autant pour moi, y'a une autre porte là. Autant pour moi, c'est moi qui fais de la merde. Elle arrive. J'appelle la meuf là, elle vient là. Enfin, elle est censée venir, ouais, elle vient. Elle arrive. Je la coiffe. Je ferme la porte. Vas-y. Je repasse sur mon arme. Porte jam. Le wedge, pardon. Autant pour moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait qu'une seule. T'es bon. Ok, bien après, la porte est pas wedgée là où je suis là. Non, vas-y, wedge. Y'en a un qui a une wedge encore ou pas? Attends, ouais, je sais pas ouais, si j'en ai. Moi j'en ai en fait des wedges. Hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous fais chier alors que voilà. Ok, attends, les deux secondes, je vais l'enlever le paquet là. Attends, je repasse sur mon arme un peu là parce que je vois rien, je prends le shield que quand y'a besoin. Press F to turn on, c'est quoi ça? Hein? Oh, c'est la musique, je pense, ou la lumière. Ouais, c'était un petit tacky walkie là. Une pièce avec une porte à nous, une heure. Porte fermée. Attendez, deux secondes. Je regarde du coup sur la map. On peut pas y aller dry comme ça. Ok, on est là. Ouais, avec une vitre sur la gauche, dans la porte, non? Dans la pièce que tu regardes. Ok, là, les gars, on a gauche, toujours avoir pas. Une vite, non ok, mais on a toujours pas arrêté le suspect. Merci Avezi pour les 7 mois, t'es un monstre, mon poulet. On a toujours pas arrêté le suspect principal, ok? Donc ouais. Je veux qu'on se focalise un petit peu sur. Checker votre briefing, ok? Vous avez normalement la tête du suspect. George Brixley, là. Normatif. D'accord, masculin, 6 foot 2, grand, 39 ans. Alors je sais pas, lui si on le chope, lui visiblement c'est... Hein c'est un peu le boss final, c'est un peu le boss de fin lui. Et il y a un suspect inconnu aussi, tu as vu? Non, s'il y a des suspects inconnus, on est en train de faire que ça de les arrêter. Non, c'est vraiment Brixley qui nous emmerde. D'accord, et c'est vraiment lui qu'on est venu chercher, d'accord? Ouais. Et pourquoi on fait pas la petite pièce qui reste là, à gauche de la salle de réhabilitation là? Au moins celle-là c'est clear et après on passe direct au reste, non? Non, je suis d'accord, mais là le but du jeu de se concentrer là-dessus c'était juste qu'on est en train d'approcher de visiblement ce qui semblerait être un bureau. Donc si c'est son bureau ou s'il est en train de se balader par là, vu que c'est lui qu'on est en train de récupérer, attention quoi, on ne gère pas comme on gère les autres pièces en l'occurrence. Ouais. Ok. Et est-ce que tu vois quelque chose du coup, toi? Est-ce que t'as des packs qui apparaissent là sous ton. Sur la spy cam? Ouais, rien. Aucun packs. Ok, très bien. Du coup, tu peux aller checker la porte double qui est là, dans le couloir. Main courante à gauche. Monsieur. Fais gaffe aux vitres sur la porte. Écho à. Une heure de la porte. Merci notre Brass pour les 34 mois, vous êtes des monstres les amis. D'accord. J'arrive pas à déterminer si la porte de l'office est ouverte ou fermée. Elle me paraît fermée. La porte de l'office te paraît fermée, ok. Et là ici... J'ai pas une information complètement sûre. C'est vraiment... Ok, le seul endroit qui est à peu près safe à faire... Tisma, s'il te plaît, fais une main courante à gauche, tu ressors à la limite et tu vas essayer d'aller regarder l'info qui se passe au niveau de la porte de l'office, d'accord? Le but du jeu, ça va être d'essayer de jouer l'office. Et en même temps de jouer le couloir, d'accord? Et en même temps de jouer le couloir, là où on est, sur la coupe que je suis en train de montrer, du coup.
Le but du jeu, c'est ça. Ok. Donc de gérer... Bien, écho dans l'office. Hein. De gérer cette partie-là, ok. Un Pax dans les toilettes de l'office et Bruxley dans l'office. Ok. Deux hostiles dans l'office, un dans les toilettes. Est-ce qu'il bouge et qu'est-ce qu'il fait Jean-Maurice il là? Il bouge. Contact à la porte. Contact porte-office. Les deux sont en stand-by devant la porte. Je vous les marque. Ok. Et un troisième ici. Dans les chiottes. C'est propre ça. Ok. Du coup là, bon, c'est clairement ce qui... Là, il nous faut clairement de la smoke, quoi. On peut pas prendre de ligne directe sur lui, d'accord? Donc on va juste... On va complètement... S'il est là, lui, le but du jeu, c'est juste de gérer ça, d'accord? On va pas s'emmerder. En partant du principe que... La porte, elle est ouverte, la porte de l'office, ou pas? Toujours fermée. La porte de l'office, elle est fermée? La porte de l'office est fermée. Ah, bah c'est nickel, ça. Ok, d'accord. Bon, bah c'est parfait. Impeccable. Par contre, pas bloqué. Non, mais on est d'accord que du coup, là, sur le schéma, c'est ça, quoi. Affirmatif. Ok, nickel. Bah parfait, impeccable. On tape l'office, du coup. La question se pose pas. Faut faire gaffe encore... Faut faire gaffe à la pièce, là. Exam 2 aussi. Hein? Non, mais ça c'est... Là. Ça, c'est après, ça, poulet. Y'a pas de exam 2. Si la porte de l'office, elle est fermée, donc du coup, on peut gérer l'office. En revanche, lui, là... Lui, c'est... Lui, faut faire gaffe, vraiment, d'accord? On peut pas prendre de ligne directe dessus, d'accord? On va balancer maximum de stuff. Déjà, dites-moi ce que vous avez en termes de stuff. Putain, j'ai plus de smoke. Pas de smoke. J'ai des smoke, moi, j'ai. Genre, il t'en reste combien, mon poulet? Je vais te dire exactement. C'est marqué qu'il m'en reste 12, mais non, je n'ai pas 12, non. En bas, enlève ton shield et tu les vois en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Bon, on s'en bat les couilles, d'accord. Ça, c'est simple. Il m'en reste 4. Ok, Tisma, mets-toi à gauche de la porte. Tu unwedge la porte, d'accord. Une fois que le mec vient pas au contact de la porte, hein. Non, à droite. Reste, je t'ai rien dit, poulet. Les gars, vraiment essayez de faire juste ce que je vous dis parce que sinon on va pas s'en sortir. Reste au niveau de l'épaule droite de Tisma, Alro, tu vas balancer des smokes, on va pas y aller au shield, d'accord? On va prendre zéro ligne directe sur cette putain de porte, d'accord? Le but du jeu, c'est de balancer du stuff à l'intérieur, de les faire tousser. Si ça sort, c'est cool. Si ça sort pas, on va les refaire tousser, ok? Avant de commencer à prendre des lignes directes, d'accord? Vas-y, tu peux passer directement sur ta smoke au final, Alro. Tu peux déjà la dégoupiller, Tisma, tu fais pick, push, la smoke elle part, ok? Jeune wedge. J'en balance deux de smoke, non, ouais, direct. Vous pouvez mettre votre thé sur moi, vous allez comprendre du coup où je suis, ok? Ouais, j'ai. Merci. J'en balance deux de smoke, hein, Six? Ouais, tu en mets une contact, une longue ouais. Et tout, vas-y, fais-toi plaisir, hein, elles sont gratuites. 3, 2, 1, pick. Et il sort. Ok, balance dedans, bah décale pas. La smoke à l'intérieur, rebalance en d'autres. Elle est ratée, prenez votre temps. C'est bon, c'est pas ok, vas-y, s'il te plaît, tu prends ton shield. Non, fais pas les choses que je te demande pas. J'ai le shield, j'ai le shield. Ouais, mais pousse la porte. Faites juste les choses que je vous demande, les gars. Pousse la porte. Pousse la porte. Nickel, bouge la porte, wedge la porte, on s'en fout. Wedge la porte. Je wedge. C'est bon, vas-y. C'est wedge. Les gars, pourquoi vous posez des questions, les gars? Juste, allez, on le gère, lui. On va s'en occuper de l'autre, je t'inquiète. Tu le prends, tu soulèves le paquet. Je le déplace. Ouais, vas-y. Les gars, faites juste un. On reste à gauche de la porte. Ce qu'il y a, c'est que là, le shield il est mort. Là, je vois plus rien. Là, je voyais même pas la porte. Je voyais pas si j'avais poussé ou pas. Ouais, ça, j'avoue, c'est cool. Ça, c'est pas cool. Ouais, j'avoue. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai dit, mets-toi sur le T. Parce que la plupart du temps, je sais que ton shield il est pourri. Et j'essaie toujours au final. Je sais que c'est pas facile. Mais essaye de te déplacer en fonction de ce que moi je vois avec ma caméra. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que je reste souvent sur ton épaule. À gauche de la porte, on reste. Hein. Une munition sur ma principale. Ok, d'accord, bah reste au taser. Je suis sur le taser. Ouais, tranquille. Sur le taser. Bah, bien vu ça. On check ammo là. Bon, on est bon. J'ai okay. Plus de smoke. Hein. Ah, d'accord, du coup, t'en avais pas du tout 12 quoi en fait. Non, j'en avais 4. Ah. Je l'ai dit après. Ok. Au cas où. Non, c'est moi qui me suis raté. Du coup, bah, c'est pas ce que j'avais pris en considération. Ok. J'ai du taser par contre, hein. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Là, du coup, ça change un peu la donne, les gars. T'as M220, ouais, j'ai le M320, j'ai le M320. Ok. Du coup, pique. Laissez-moi réfléchir. Alro, t'as quoi comme arme, du coup? Principale, là. Et avec le taser. Ouais, mais garde ton arme principale, ok? Si ouais. Ça sort, tu pétarades. Tu vas pique. J'ai que push, chargeur. Hein. Tu vas pique, push, je vais mettre un coup de M. Attends, pas maintenant. Try on wedge. Attends, laisse-moi réfléchir. Alro, mets-toi à droite de la porte, du coup, ok? Mets-toi avec le shield et sois prêt à la pousser, la porte, c'est tout. D'accord? Ou à te mettre à la place si c'est la merde, d'accord? Je sais que tu vois pas grand-chose, mais voilà. Tisma, tu vas pick, push la porte et je vais faire une flash contact en face de toi, d'accord? Fais gaffe, ça va vous péter dans la gueule. Jeune wedge. Vas-y. Fais gaffe, il peut pusher à tout moment. Moi je vais taper directement en face de nous et je vais reload et je vais en rebalancer d'autres à l'intérieur donc on... 3, 2, 1, pique, push. Et derrière, tranquille, il va vouloir pusher. Je bloque la porte. Tranquille, essaie de repiquer, repusher. 3, 2, 1, pique, push. À gauche, civil. Il s'est rendu devant. Civil à gauche. Il y a quoi d'autre? Il s'est rendu. Brexley, c'est lui, hein. Il est rendu devant. Regarde, reste au niveau de la porte, t'es bien, Alro. Une civile couille. Ouais. Ok. Je vais balancer une dernière flash et on va y aller. Je vais balancer une dernière flash et on va y aller. Go, c'est parti. Rien à gauche, clear à gauche. Je regarde à gauche, toilette, clear. Clear devant. Je le garde en joue, lui. Tu wedge, vas-y. Un key wedge, allez, c'est bon, c'est wedge. Vas-y, gère la meuf, s'il te plaît, Alro. Nickel, impeccable. Oh, mais c'était fini. Ah, bah bien joué, putain. Bien joué. Ouais, il est vraiment chaud en fait, lui. Enfin, il déconne pas. Il avait posé l'arme par terre, il l'a récupéré. Poser l'arme, il récupère. Ouais, non, mais lui, voilà quoi. C'est pour ça, il faut pas prendre de ligne directe dessus. Faut balancer du stuff et tout, machin. Merci, notre brasse, pour les 34 mois. Vous êtes des monstres. Vraiment. En avant. Likez, commentez, partagez, YouTube.